Et hop, coucou tout le monde. Yes, mon micro marche, yes. J'avais un doute, mais bon. Alors, coucou Chuba, bonsoir à toi également. Haha, Lounès, bonjour à toi. On est en week-end, j'avais pas remarqué. Ouais, c'est vrai, on est en week-end. Ah si, si, c'est bien, mais c'est déjà la fin du week-end, c'est déjà le deuxième jour, c'est triste. Oui, j'ai enlevé l'ASMR parce que franchement, vendredi, ça m'a trop perturbé. Je crois que ça vous perturbait aussi, donc je me suis dit, allez, je verrai ce que je mettrai à la place, j'ai pas encore décidé. Fantasy, coucou à toi. Oui, ce titre, je me suis dit, allez, si je fais le Panthéon aujourd'hui, il faut que je mette ça, forcément. Si je mets les rediffs Twitch sur ma chaîne secondaire, ok, mais j'ai pas encore changé le nom. C'est dire à quel point ma chaîne secondaire est importante pour moi. Alors, effectivement, merci de me le rappeler, il faudra que je change le nom. Je vais essayer de me rappeler ça tout à l'heure. Pareil pour les rediffs, je les mets dessus, mais comme elles sont sur Twitch pendant 60 jours, il y a en général pas d'urgence, donc je prends un petit peu mon temps, parce que c'est aussi, ça met du temps à uploader, même avec la fibre, pour être honnête. Et menton à la fin. Ah, si tu veux. Tu peux mettre quoi que ce soit qui finit en on. C'est beaucoup plus bas, ouais, c'est ça. Non, normalement le micro c'est bon, en tout cas il se déclenche sous OBS. Et vous avez l'air de m'entendre, donc tout va bien. Coucou Rammstein, comment ça va chez toi? Ah, on nous propose quoi? Le menton, le talon, autre chose, un peu plus bas, un peu entre les deux. Non, bon, allez, ouais, faut que je tente un peu le Panthéon aujourd'hui, parce que là, je me suis acharnée sur le Colisée, c'est bien joli. Mais il va me falloir une petite pause, histoire de faire autre chose, et après, je pourrais refaire le Colisée, je peux alterner. Donc ça va... gratte-toi l'aiguillon. Intéressant. Beaucoup de mots, là. Beaucoup de métaphores. Ah, il est bien, ce titre, hein. Il donne à discuter, là, tout de suite. C'est cool, je suis contente de l'avoir mise. C'est un titre, je vais y arriver. L'aiguillon, c'est tendancieux un peu. Non, mais on a l'esprit dans le caniveau ici. C'est absolument terrible. Je plaide totalement coupable. Ça me rappelle quand je suis arrivée dans mon job il y a quelques années où l'équipe française, en fait, c'était que des mecs. Et puis, ils étaient là, ah bah maintenant on a une fille dans l'équipe, alors il va falloir qu'on se calme un peu sur les vannes graveleuses, quoi. Je leur ai sorti les trucs les plus dégueulasses que je connaissais. Puis ils ont fait, ah ouais, non, en fait, ça va, quoi. C'était assez marrant. Je dis, non, mais allez-y, parce que, y a pas de souci. Le dos, bien sûr, oui, c'est pas en... Dans... Remplissez les trois petits points, parce que vous voulez, c'est... en tout cas, de toute façon, quoi qu'il en soit, c'est le Panthéon, donc mon personnage va se faire ramoner. C'est logique. Je crois que en vrai, j'avais essayé une fois le premier Panthéon, mais j'avais mis les bindings sur l'aiguillon accidentellement. Je croyais qu'il fallait que je choisisse quelque chose. Et puis j'étais allée en touriste, donc honnêtement, ça n'a pas bien fini, forcément. Donc je vais essayer de faire mieux. On verra. Mais bon, je pense que dans... La fan, bien sûr. À toi, le fan. Ça, c'est pour Fantasy uniquement. Enfin, voilà. Donc, ça va être le programme aujourd'hui. Ouais, Panthéon. Je sais pas combien de temps ça va durer. Ça se trouve, je ferai ça pendant 3-4 heures. Ou peut-être, j'alternerai Panthéon-Colisée. Le fantôme, il était bien vendredi. Il avait se faire écraser au moins. C'est quoi, 50 millions de fois? C'est possible. Est-ce que c'est possible de mourir 50 millions de fois à Hollow Knight en 3 heures? Je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'il y a assez de secondes pour ça. Mais... Chuba, ouais, tu y es à une lettre près. Effectivement. Est-ce que ça compte comme un mot grossier ou juste comme un mot d'argot? Moi, je mettrais ça dans la catégorie les mots d'argot. Donc, ça va. Mais, bah ouais. Autrement, est-ce que j'avais autre chose à vous dire avant qu'on commence le jeu? Tu meurs au dernier boss, yes. Mais bien sûr que je vais mourir au dernier boss. Évidemment que je vais mourir au dernier boss. C'est obligé. Mais je pense qu'en fait, je peux me tromper. Parce que je ne l'ai pas encore vraiment fait. Mais je pense que la difficulté au Panthéon, c'est pas tellement que ce soit des boss. C'est plus qu'ils soient à la chaîne. Parce qu'il faut rester concentré. C'est plus intense que juste des petits ennemis quand on explore. Et c'est surtout ça. Moi, c'est ça qui va me poser problème, quoi. Parce qu'au final, voilà, le faux chevalier, je peux le battre. Hornet, je peux la battre. Mais quand ils sont tous d'affilée, ouais, je sais pas. C'est ça aussi le truc au Colisée, c'est de rester concentré plus de 10 minutes sur une série de fights. Et je pense que pour moi, c'est vraiment ça le challenge. Le skill, c'est une chose, mais la concentration, c'est 50% du truc, quoi. C'est de l'argot, ouais. On va dire que c'est de l'argot fantasy. Non, sérieusement, pour moi, c'est plus de l'argot.
Donc l'argot, ça va. J'utilise assez souvent de l'argot. Je suis une grande fan de Kaamelott, donc vous pensez bien que l'argot, de base, ça vole. Donc ouais, aujourd'hui, Panthéon. Le dimanche, il n'y a pas Louise, donc on n'a pas de présentation à faire. Le Panthéon 1, pour moi, il est plus dur et long que le Panthéon 2. Une Black Salah, c'est caché. Ah, ah, attention. Ouais, donc, du coup, je peut-être... Cherchons là-bas. J'arrive plus à parler, c'est horrible. Pourtant, j'ai pris un mug de café avant de venir, là. Il veut dire que dans à peu près une demi-heure, il faudrait que j'aille aux toilettes, mais ça, c'est autre chose. Ah, bah, c'était comme Fantasy, truc des Sims, hein. C'est toute ma vie, c'est bois du café, puis après, tu vas aux chiottes. Voilà, c'est exactement ça. Sinon, j'ai vu un truc, je vais pas faire ça maintenant, évidemment, mais j'ai vu Céleste, hein, qui est sur le Game Pass, donc... Peut-être que j'essaierai quand même, ça m'engage à rien, on va dire. Enfin, pas à plus que ce à quoi je suis déjà engagée avec le Game Pass. Donc, à voir. J'essaierai peut-être à l'occasion. Je sais pas si je ferai une découverte complète, je commence comme ça en stream, ou si j'essaierai un petit peu à côté pour voir quand même si ça me plaît, et que je ferai ça en stream après, je ne sais pas. Pour Ori... Je me tâte parce que visiblement il y a quelqu'un qui hier sur un autre stream qui a dit qu'il faisait du Ori et il a été strike sur la musique. Donc je sais pas. Du coup ça m'inquiète un peu, mais... Après Pipi, est-ce que tu fais du tapis de course? Non, parce que je n'ai pas la place pour un tapis de course. Si j'avais une pièce pour mettre un tapis de course, croyez bien que ce serait fait depuis longtemps. Parce que c'est quand même bien quoi. Dans la Black Salas, je trouve le Panthéon 1 plus dur que le 2. Bah écoute, on va faire déjà le Panthéon 1, et puis on va voir ce que ça donne. Quoi, du sport? Quelle horreur! Non mais... En vrai, le sport, je suis super ambigu. Je n'aime pas le sport à la base, mais c'est parce que j'ai du mal à trouver un sport qui me passionne. S'il y a un truc qui me passionne, je vais y aller. Genre, quand je pouvais faire de la natation, même si je suis pas bien nagée, bah, y a pas de souci quoi. Alors que c'est vrai, courir sur un tapis de course juste parce qu'il faut courir... bon. C'est pas... Si vous êtes pas passionné de marathon, de course d'endurance et tout, c'est tout de suite moins... On a commencé à quelle heure? Je sais pas du tout, j'ai pas fait gaffe. J'allais dire 9h, mais pour vous, il est plus 10h qu'autre chose. 9h05, désolé. Ouais, bah écoutez, ouais. Bon, bah Panthéon. Panthéon, on se gratte le pan. Donc, je vais tout doucement lancer ça parce que... Déjà, il faut que j'y aille au Panthéon maintenant que j'y pense parce que je suis encore au Colisée. Mon Mug Hollow Knight. Ouais, il est bien. Il est bien, mon Mug Hollow Knight. Je sais pas du tout si c'est du merchandising officiel, hein. Alors par contre, parce qu'il n'y a pas beaucoup de trucs différents. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui, enfin, si vous voulez, ils impriment leurs tasses avec leur propre fanart ou des trucs comme ça, donc... Ah, cette musique, elle est trop bien. Bon, allez, je vais mettre la scène de live. Et donc, si vous vous demandez, c'est mon écharpe, hein, c'est pas une Minerve. Ok, alors, ben, ce que je vais faire, je vais laisser le portail au Colisée. Et je vais tout doucement essayer de retrouver le chemin du Panthéon. Je pense me rappeler où c'est, donc ça devrait aller. En vrai, vous savez quoi? Si j'allais un petit peu charger de l'âme, tant qu'à faire. Puisque j'ai le banc et j'ai la petite source. Voilà. Je suis une grande gamine dans l'âme. Quand on va sur Wish et qu'on achète des objets genre Animal Crossing, c'est de la contrefaçon, c'est pas illégal? Joker? Je sais pas du tout, je pense qu'il doit y avoir, vu le prix, il doit y avoir de la contrefaçon. Donc techniquement, oui, ça doit être illégal. Après, j'en ai pas la preuve non plus que c'est de la contrefaçon. Mais en même temps, si c'est des trucs qui valent, je sais pas, 60 euros en temps normal, en officiel, et que là, ils en valent 3, j'ai envie de dire, c'est soit de la contrefaçon, soit tombé du camion, quoi. Faut être honnête. Mais c'est vrai que... Joker. Je suis en train de regarder qu'est-ce qui serait le plus court. Faut que j'aille aux égouts, hein, donc je vais passer par chez Emilitia, je crois que c'est son nom.
La noble là qui arrête pas de rigoler toute seule dans son coin. Je crois que c'est ça. Ah. On va éviter de s'exploser sur les pointes. Voilà, ça serait en bas, j'étais pas montée par là l'autre fois. Bah je me souviens plus de son nom, il y a une noble dans une des maisons là près de la station du roi. Je crois que c'est Emilitia. Mais je suis plus sûre. Parce que j'ai pas toujours une très bonne mémoire des noms. Bah, des fois elle est très bonne et des fois c'est juste de la grosse daube. Encore. Toup 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 toup. Voilà. C'est l'entrée où il y a les fleurs. Hein. C'est où de nouveau? C'est de l'autre côté, je crois. Ah, bah bravo. C'est malin. Je disais donc l'entrée où il y a les fleurs. Hein. Celle-là. Voilà. Emilitia, voilà, c'est bien ça. Et normalement, ça va aller dans les égouts. Mais si ça se trouve, en plus, je vais arriver dans un coin trop loin de là où je veux aller. Et mais attendez, mais non, mais je suis débile. Mais je suis complètement débile. Bah bien sûr, il y a un raccourci. Je l'ai encore ouvert l'autre fois. Bon. Ah, ça fait longtemps que j'y suis plus allée au Panthéon, hein, ça se voit. Ça se voit que j'y étais qu'une fois. On va passer par chez la hutte du forgeron, enfin juste là-bas. Je pense que c'est du coup il y aura de mieux. J'hésite, est-ce que je mets le portail au Panthéon ou est-ce que je mets le portail au Colisée. Le Colisée il est pas dur d'accès non plus quoi. Bon, enfin bon. Dans un cas comme dans l'autre, si je fais l'aller-retour entre les deux, ça va être contraignant. Allez, je laisse le portail là où il est. Mais... Bah c'est quoi là? Non mais oh. Moi je pensais que là où il y avait Miltia, ça menait au nid profond, pas aux égouts. Non non, c'est aux égouts a priori. Voilà, c'est bien de les buter en un coup. Vous comprenez maintenant pourquoi je suis perturbée dans mon autre partie. Concentration zéro. Hein. T'as même pas fini le premier, j'ai fini le dernier. Bah ouais, bah en même temps, j'ai pas non plus essayé, quoi. C'est clair que si j'y vais pas, je vais pas le finir, le Panthéon. Hein. Mais de toute façon, vous savez très bien que le Panthéon, ça va me prendre des semaines, si pas des mois, donc... C'est bien, j'ai pas besoin de me poser de questions, qu'est-ce que je fais en stream? J'ai pas besoin de me dire toutes les semaines, il faut que je trouve un nouveau jeu. Je crois que c'est là. Hein. Ouais, c'est là. Il y a un petit bout des cavernes. Il paraît que je vais tomber sur quelque chose. Bon, je suis tombée dans la flotte, ça va. Donc normalement, c'est par là. Je me trompe pas, hein. Faut ça ordure, ouais, c'est ça. Ah non, faut juste que je retrouve le... Ouais, mais elle est énorme, en fait. Moi, je la voyais comme un truc tout petit, mais elle est énorme. Les deux premiers Panthéons s'en voient plus facile que l'épreuve 3 du Colisée. Possible, ouais. Mais moi, je trouve qu'il y a une grosse différence entre l'épreuve 2 et l'épreuve 3 du Colisée. Hein. C'est waouh. Il y a... L'épreuve 2 à côté, bon il m'a fallu je crois 3-4 essais, mais ça allait encore quoi. Je vais juste me récupérer un banc, je sais plus où il est ici. Mais non mais je veux pas t'ouvrir. Hein. Pas remarqué en même temps, ça veut dire que je peux l'ouvrir. Radiance du coup, qu'est-ce que ça donne? Radiance, j'ai pas réessayé. Le troisième avec Zote. Ah. Ben, est-ce que j'aurais Zote? Puisque je ne l'ai pas sauvé. Ah, ça j'ai pas encore ouvert. Je cherche le bon, hein, je vais le retrouver. Quoi ça? Ah non, ça c'est juste une inscription. Ouais, donc là on a les quelques trucs que j'ai pas encore débloqués. Il y en a quand même quelques-uns. 2, 3... Il y en a quand même 9. J'aurais pas autre, ok. Je sais pas si je dois être contente ou déçue. En vrai, j'ai pas l'impression que le bon soit par ici. Hein.
pas pourquoi. Je pense que je me suis un peu trompée de chemin. La musique est très sympa par contre. Non mais c'est pas du tout là. Mais je vais où moi? Déçu. Après le combat contre Zot, je l'ai déjà vu enfin dans la partie chez Bretta, dans un autre stream, parce que je suis arrivée, la personne faisait ça, donc bon bah voilà, spoil sans le vouloir quoi. Il y a le banc ici en haut? Mais je sais plus où il est. Non mais... Alors ça c'est la source. Ouais non, on est d'accord, le banc était pas là, dans la salle. J'aurais quand même Zot dans le Panthéon si c'est pas drôle. Coucou le citron, bienvenue ici. Je suis pas sûre si t'étais déjà venu, donc si tu n'es pas déjà venu, bah bienvenue ici. Dans la salle. La salle en haut donc. Pas ça? Ah bah voilà, super, merci. Y'en avait pas un autre? Moi j'étais persuadée qu'il y avait un autre banc ailleurs ici. Bon bref, comme dit, je suis venue qu'une fois. Et sans plus, donc... Oh ben... On va commencer dans l'ordre, hein. Je pense que le premier, ça va être celui-là. Deux bancs ici, un en haut et un dans la salle des dieux. Ouais, c'est ça, donc c'est celui d'en haut que j'avais dû avoir. Alors, la toute première fois, quand j'étais allée en touriste, j'avais pris le binding sur l'aiguillon... Je sais pas ce qu'ils font, alors j'imagine celui-là, ça vous enlève les upgrades d'aiguillon. Ça, ça doit vous remettre les 5 masques de base. Ça, ça vous empêche d'utiliser vos charmes, enfin, ils comptent pas. Et ça, ça vous... Je pense que ça vous met qu'un réceptacle d'âme, ou alors ça vous empêche d'en gagner, un truc comme ça. Mais attendez. Je découvre, je traîne beaucoup sur les streams de HK, ayant pas mal poncé le jeu. Ah, d'accord, donc... Alors, moi, au niveau de mon avancée dans le jeu, j'ai fait la première fin, donc celle qu'on peut avoir tout de suite en ayant désingué les trois rêveurs. J'ai fait ce que je vais appeler la deuxième fin, où en fait, donc j'ai juste affronté le Hollow Knight, mais avec l'aiguillon normal, pas avec l'aiguillon des rêves. Et donc la troisième fin, je sais qui je dois affronter en deuxième boss de fin, mais je ne l'ai pas encore battu. Pour l'instant, c'est là que j'en suis au niveau des fins. Je n'ai pas fini la quête de Grimm parce que j'ai pas encore décidé si j'allais pas procéder au rituel ou au bannissement. J'ai pas fini le Colisée 3 parce que pour l'instant, j'arrive à 48% dans ces eaux-là, c'est pas encore ça, et j'ai pas fait les Panthéons. Donc ça, c'est mon avancée. Le reste, a priori, je connais. Je suis pas obligée de mettre des malices, heureusement d'ailleurs. Oui, bah en fait, la première fois, je croyais que j'étais obligée d'en choisir au moins un, donc j'avais mon aiguillon était tout pourri, j'étais là, ah mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis morte, ah bah tiens. C'est juste une barre d'âme, ok c'est ça, donc juste le réceptacle de base. Donc oui, je voulais quand même regarder qu'est-ce que je vais mettre comme charme. Parce que ça c'est... Alors ça c'était mon dernier setup pour le Colisée. Je sais pas si c'est le meilleur, mais comme je l'ai essayé qu'une fois, je peux pas encore dire. Ouais, je rappelle tout de même pas de spoil sur les fins encore non découvertes. Merci Fantasy, ouais c'est pour ça que je disais spécifiquement qu'est-ce que moi j'ai déjà découvert, donc le reste c'est... Je vais être explicite, ce que je n'ai pas encore découvert, ne me spoilez pas dessus. Voilà, comme ça c'est clair. Donc voilà ce que j'avais, ça c'était pour le Colisée 3, pour dépenser moins d'âme, pour essayer de caser les utilisations de l'aiguillon, notamment sur les aspides, ça parce que j'aime bien frapper fort, le capture âme pour gagner un peu d'âme, et le rock solide pour pas me vautrer des plateformes tout bêtement, parce que genre... Genre quand il y a les espèces de grosses mouches infectées, ben c'est bien, faut genre mettre deux coups, et c'est bien de pas tomber bêtement dans les pointes. Donc voilà, Aspide, exactement. Par contre ça, est-ce qu'il y a vraiment du gros platforming au Panthéon? Je ne sais pas. Je sais pas si je dois garder ce setup ou si je dois mettre autre chose. Je vous cache pas. Flingerie, bonjour, t'as fini Colisée 3? Bonjour à toi. Non, j'ai toujours pas fini Colisée 3, je suis désolée, c'est c'est un peu... J'ai besoin de beaucoup d'efforts pour y arriver et de beaucoup d'entraînement, donc c'est pas encore fini. Presque aucun platforming, ouais. Pour rien dire, il y a de très belles découvertes dans les Panthéons. Bah ouais, voilà, donc ne me spoilez pas, parce qu'il y a des boss que j'ai pas encore fait, ça c'est sûr. Donc presque aucun platforming, donc ouais, le rock solide, on s'en fout un peu. Est-ce que du coup, je peux pas me perdre... Je peux pas réutiliser ça. Je suis en train de réfléchir, j'ai jamais fait les Panthéons, vraiment, j'ai pas fini le premier. Alors, je vais mettre le charme essentiel, la boussole, hein, forcément.
Forcément, il en a trop besoin. Moi, je déconne. Pierre du chaman, peut-être. Si je fais ça comme ça. Peut-être comme ça, ça pourrait être sympa. En taille rapide, marque de respect, sans oubli, force inébranlable. Force inébranlable, je l'ai. Ouais, ah oui, c'est vrai que d'habitude, je prends toujours soit le la marque de respect, soit la longue lame. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'il y a au premier panthéon? Les épées ne procèdent pas au panthéon. Quoi? Bannissement. Ah, tu veux dire pour Grimm? Ne procède pas au bannissement, ouais. Ben, j'hésite. J'hésite parce que... Bon, de toute façon, on est d'accord, hein, ce que je fais dans cette partie, je prendrai l'autre choix dans ma deuxième partie. Donc si je fais le bannissement ici, dans l'autre partie, je prendrai le rituel, on est d'accord. Mais j'ai pas décidé par rapport au panthéon. Parce que je sais que le charme du bannissement, il est peut-être un peu plus... Il est un poil plus pratique que le charme du rituel, pour le panthéon, enfin pour le dernier panthéon, je crois. Mais en même temps, c'est du RNG, donc je sais pas. J'hésite. J'ai toujours pas choisi. Je pense qu'en vrai, je loupe certainement les meilleurs boss du jeu. Ah mais non, mais c'est pour ça que je dis, si je fais le bannissement ici, je ferai le rituel dans l'autre partie. L'autre partie, je compte la finir aussi, quoi. Hmm. Peut-être pas me focaliser sur le 112%, mais oui, je ferai Grimm également dans l'autre partie. Surtout que je sais où le trouver, quoi. Enfin, où déclencher la quête. J'avais dit quoi, moi? Celui-là, il vaut combien? Il vaut 2. Celui-là, il vaut 3. Attendez. Je vais rester sur ça comme base de setup. Je vais regarder. Si je mets celui-là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 2. Premier panthéon, il y a quoi? Il y a pas tellement besoin de sorts. Enfin, pas plus que ça. Il y a le faux chevalier, donc lui, pour les sorts, c'est mort. En vrai, tu ne sauves pas autre. Là, tu veux bannir Grimm, je te reconnais plus en strip. Ouais, alors, ouais, voilà, dans l'autre partie, je sauve autre et je fais le rituel. Comme ça, j'aurai vraiment tout, quoi. Est-ce que je remettrai pas celui-là? Ouais, je pense que pour le premier panthéon, ça peut être plus sympa. Cap des ombres. Bah ouais, voilà, Klingri, on est sur la même, longueur d'onde. Ouais, c'est pas dégueulasse. Je crois que c'est un setup que normalement j'utilise assez souvent. Peut-être pas l'entaille rapide, mais ces trois-là. Donc ça peut être cool. Mais non, redescend. Redescend. Yeah, this is what I was looking for. Late night French to fall asleep to. Thank you for the stream. Hello, Goon124. Welcome here. This stream is primarily in French, but if you write in English, I can answer in English as well. Oh, thank you for the bits. That's very nice from you. You're the first person sending bits. That's great. Let's cheer. I don't have any cheering music. Oh, I am so sad. I am absolutely sad, I'm sorry. I've just gotten a stream deck and I haven't bound every key yet. Force inébranlable, entaille rapide, régénération rapide, cœur indestructible. Ah bah je peux essayer ça aussi après. Je peux essayer aussi. Écoutez, on va déjà tenter avec ça. Et puis ça me fait plusieurs setups à noter. Alors... Mon tas de post-it pour Hollow Knight. Bordel absolu. J'ai honte de moi. Enfin non, en fait, non, j'ai pas honte. Vous savez très bien que j'ai pas honte. Donc, qu'est-ce que j'ai là? En fin de stream, comme toujours, on continue le journal. Bah non, Lunes Business, je peux pas. Puisque pour continuer le journal, il faut que je finisse le Colisée 3. Coucou Krintokop, bonjour à toi et bienvenue ici. J'ai vu que t'avais follow quand j'ai mis le dashboard du stream tout à l'heure, donc merci pour le follow également. Enfin, il me semble. Il me semble, donc si je me trompe pas. Alors, je vais noter force, la marque de respect,
en taille rapide et dash des ombres. Et on avait dit pour l'autre, force, en taille, régène. Régène rapide, tu parles de quoi? Tu parles du truc de guérison, hein. On est d'accord, on parle pas du charme de la ruche, on parle bien de la guérison. Celui où tu te soignes plus vite. Hier soir, je crois, quand tu as raid. Ok. Ah ouais, le journal du chasseur, j'ai tout maintenant. Peut-être juste un des trucs voltaïques qui me manque. Mais on reste sur... on reste sur le Colisée 3, quoi. Ok, let's try with this. And no bindings. Ok. Normalement, ça va être des mini-boss et des... Ouais. Ouais, d'accord. Alors, saute. Ah, comment ça j'ai plus d'âme? Mais je m'étais pas chargée. Ouais. Faudrait que j'arrive à le toucher, ce serait bien. Tant que lui me touche, ce serait mieux. Voilà. Donc ouais, la guérison rapide, pour ça pourrait être pas mal. Mais... Il vient me poncer dessus? Mais non. Bon alors? Tu viens? Mais non, pas comme ça! Ah oui, alors attendez, je crois que je peux tomber hein, si je fais pas gaffe. Bon. Je vais pas faire comme pour Zod, je vais pas attendre qu'il vienne, je vais juste lui sauter dessus, hein. Je pense que c'est un peu plus rapide. Ouais, je crois que je peux tomber si je fais pas gaffe, mais j'ai pas envie d'aller vérifier. On est d'accord, j'ai pas mis de binding sans faire exprès. Hein. Voilà. Je démarre les panthéons sans âme. D'accord, ok, super. C'est ce qui me semblait du coup, mais... Qu'est-ce que je fais? Je savais qu'il allait me faire ça, j'en étais sûre. Et il a combien de points de vie, lui? Ah, voilà. Bon, je sais nouveau plus que c'est la suite. Comme dit, je l'ai fait qu'une fois et c'était il y a quoi, 3 semaines? Ah, tiens. Et toi? Ok. Ouais, donc on reste sur le même type d'arène qu'à la base, hein, on est d'accord. Il est bien le charme du dash pour ça. Ah zut. J'ai fait la bête. J'aurais pu en profiter pour me soigner. Ok. Je sais plus s'il y a des mouches qui sortent là. Je crois pas. Pas au Panthéon, hein. Non. Ah bah tiens, je crois que j'étais arrivée là la première fois. Donc faut juste que je fasse gaffe. Ok. Ouais, je crois que vraiment la première fois j'avais fait la conne ici, parce qu'en vrai, bon, c'est le faux chevalier, quoi. Ah! Qu'est-ce que j'ai fait? Non, c'est pas grave. Alors, j'y vais un petit peu lentement, hein, m'en voulez pas, comme dit, je redécouvre cette première partie du Panthéon. Ah! Je vais dans le mauvais sens. Ça, c'est moi qui ai fait la débile. Ok. Bourrine, le faux chevalier aura même pas le temps de t'attaquer. Ouais, j'imagine.
Après, comme dit, je me connais. Bourriner dans ce jeu, ça m'a jamais réussi. Donc, je préfère faire attention. À chaque fois que je grid, ça finit mal. Pourquoi j'étais morte là-dessus la première fois que j'ai essayé? Parce que j'étais allant touriste. Hein. Ok. Ah oui, tiens, celui-là... Celui-là, faut juste que j'arrive à le choper, en fait. Hein. Ah, d'accord, il est un peu trop long pour que je le traverse avec le dash. Ok. Ok. Faut que je fasse gaffe. Bon, bah moi les sauts c'est pas mon truc hein. Vous allez voir que je vais me faire crever sur celui-là en fait. Parti comme ça, je me connais. Je me souviens plus de son pattern à lui, c'est quoi? C'est juste ça hein. Des trucs comme ça, ils sautent et puis qu'est-ce que j'ai fait? Je vous garantis, je vais me faire crever sur des trucs débiles. Trois masques sur cette cochonnerie. Oui, c'est vrai, c'était plein de petits trucs. Très très simple de le faire, mais je te laisse découvrir. Tiens! C'est quoi? Ça par contre... D'accord, ça c'est la version où elle fout des fils partout. Hein. Mais qu'est-ce que je fous, moi? Ok. Ah, elle est bien sa musique version Panthéon. Enfin, je crois que c'est version Panthéon. Bon. Pareil, comme dit, m'en voulez pas si j'y vais tranquille. Hein. Sinon, je fais des bêtises. Oh là là, oh, ça c'était nul. Ça c'était nul de chez nul. Ok. Ah, elle est magnifique cette musique. Ah, qu'est-ce que j'ai foutu? Oh non! C'est débile ce que je fais là. Ouais, je sais que je pourrais l'attaquer entre les aiguilles, on est d'accord, mais... Non, là j'ai fait de la grosse débile. Comme d'hab. Edina, ouais, c'est ça! J'aime beaucoup Hornet quand même. Ah, ça va. J'ai eu le temps de me soigner un peu. Ok. La première version, la simple. Ouais, ouais, c'est parce qu'il y avait des fils en arrière-plan. Et du coup... Ah bah c'est bien ça. Tranquillou, on peut se reposer. Coucou, je suis à la bourre encore une fois. Goku Dan. Comment ça va? J'espère que t'as bien dormi. Passe un bon week-end, tout ça. Outisseur moussu, je le tue en une journée. Mais ouais, mais on sait que vous faites que du one hit, enfin du no hit. Allez, ah. Good 124, thank you for your follow. Just so that you know, if you often stay up late at night for you, I stream around that time
on Sunday mornings. So I started some 40 minutes ago. That's my usual schedule for the for Sundays. Ok, est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Non, je crois que j'ai rattrapé tout dans le chat. Hein. Okay. Bah, j'imagine que c'est là. Ouh! Oh my. I absolutely hate these sounds. Oops. Okay, second phase. I'm absolutely no good at dodging. Je suis nul en esquive. J'ai déjà oublié son nom, c'est quoi, c'est Gorb hein. Mais... Ok. Bon. Je vais la retrouver. Ah non. Mais vous voyez, là je grid et c'est pas bon. C'est pas bon quand je grid. J'allais dire bienvenue, mais le temps de réfléchir en anglais, le stream serait terminé. Comment t'as fermé la bouche quand tu l'as vu? Qui, Gorb? Ah! Je savais pas qu'il y avait lui là. Ok. Lui, je l'ai affronté pas tellement de fois, donc en fait... Faut que je me rappelle son pattern. Ah ouais, non, j'ai plus d'âme. Ok... Ouh! Doma, 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 doma! Je suis désolée, mais à chaque fois, je l'imagine doublé par le mec qui fait le roi Burgonde dans Kaamelott. C'est vraiment terrible. Ok. Ah ouais, donc là, il fait sa bouboule. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Je sais pas où il est. Ah. Marf. Il est où? Quoi? Ah, il est là. Mais je le voyais plus. Il était où? Il était à l'autre bout du terrain? Me souviens plus de son pattern, c'est horrible. J'aurais pas faire ça. Ok. Ah non, ça va encore. Est-ce qu'il a, il a réatterri dans la bouse? Ah non. Ouillard. Ah! Salut toi! J'ai plus d'âme. Mais non! Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais quand même pas me faire démolir par, par cette daube. Ah non mais sérieusement? Je vais me faire démolir par cette merde? Ouais, ça y est, je grid. Pas bon. Je suis absolument nul contre le Malek, donc
Je vais me faire démolir par le Malek, vous allez voir ça. Bah voilà. Mythocop, ça avance, ouais, mais... C'est un peu dégueulasse. J'ai plus un angle laid qu'un bon anglais. Alors, qu'est-ce que j'ai raté? Qu'est-ce que j'ai? Ça avance bien. Tu veux la liste de quoi? Ouais, la liste du magasin. Sinon, la point d'exclamation liste, pour la, ça vous envoie un MP avec la liste de commandes qui est dispo. Ok. Mais c'est fatigant, en fait, tous ces boss qui s'enchaînent. Hein, donc c'est bien ce qui me semblait. C'est la difficulté, pour moi, c'est plus là. On pourrait commencer sans âme, c'est naze. Ok, bon, j'imagine qu'au bout d'un moment, je commence à le connaître par cœur. Hein. Je l'ai raté. Ok. Alors. Non, il crie encore. Bon, je commence à le connaître un peu mieux. En vrai, celui-là, je crois que je l'ai affronté qu'une fois. C'était pour Zot. Hein. Je crois que je l'ai touché. Hein. Tu battais le Malek, tu es arrivé au dernier boss. Ouais. Oh, bah, je suis sûr. Ça me surprend même pas que ce soit une merde comme ça. Ah, je vais me prendre. C'est pas grave. Fait quoi là? Je l'ai raté. Évidemment que je l'ai raté. Parce que c'est moi. Non, on regagne vraiment pas grand chose en âme. Hein. En même temps, c'est vrai que je suis pas du tout optimisée pour regagner l'âme et pour les sorts. On est d'accord. Mais Malek, calcul rapide 22 x 7. Je sais pas. Faut pas me demander de calculer maintenant, je suis un peu concentrée sur autre chose. Mais non! Mais non! Fais-moi tes sauts en l'air, là! Pas vrai. Mais quelle nouille. Contre la mer de Gruz, hein. N'empêche. C'est quand même nul de prendre autant de dégâts contre la mer de Gruz. Je vois juste la liste sous les yeux. Ah, et Fantasy qui a calculé 154. Merci Fantasy. Ok. Alors. Bon. Ah, j'aurais peut-être dû aller de l'autre côté. Pas grave. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je vais sur le mur? Ça ne sert à rien. Je crois que j'aurais pu le bourrer un peu. Voilà pourquoi je gride et voilà ce qui se passe. Non, en fait la technique de bourrer dans le tas, c'est pas du tout ma façon de jouer, on va dire. Enfin, ça a tendance parfois à l'être et c'est pas la bonne façon de jouer que je devrais avoir. Ok. Ok. Allez, encore un petit coup comme ça. Ça commence à être mieux. Héros 404, page notre femme. Tu sais que du café, tu prends. Un t-shirt, ça. Pourquoi poser un calcul? Ah oui, d'accord, d'où le... Bon, faut que je fasse gaffe. Celle en fonçant dedans.
Non mais j'arrive pas à sauter, faut que j'utilise ce double saut sur lui, c'est pas possible. Mais il est nul en plus ce boss, pourquoi j'ai du mal? Sérieux, c'est juste une grosse merde. Oui j'ai dit merde, pardon. Ouais, j'aurais pas dû soigner. En fait, c'est plus sa longueur qui me gêne. J'ai du mal à estimer sa taille par rapport au saut. Ah, j'aurais dû frapper vers le bas, hein. Ouais. Oh bah... Voilà, c'est mieux comme ça. Violence envers les moussus. Mais ouais, c'est des pauvres petits machins, là. Ils ont plus peur que moi, d'abord. C'est honnête, hein. Ah oui. Éviter ça. Non, si je reste collé sur elle, ça va pas le faire, hein. Alors. Ça c'était nul. Ça c'était nul aussi, j'aurais peut-être dû sauter, je croyais que j'étais en limite de portée, mais non! Alors Arnett. Je sais plus si c'est là qu'il y a le banc juste après ce fight. Je pense pas, hein, je sais pas. On verra bien. Ok. Plus dans le doute. Elle est magnifique cette Zeke. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Eddie ! Oh ! Oula, là j'ai... Ouais, j'ai un peu cherché. Ça c'est débile. J'avais plus de... Moi je croyais que j'avais de l'âme. Bon c'est pas grave. Le pré-combat de fin, la musique. Ouais ouais c'est terrible. Ah bah ouais donc c'est bien là que j'avais la petite source. On peut leur parler au truc dans le fond, je crois pas hein. Pas l'impression. Regarde. Ils suivent du regard, c'est flippant. Vous me faites peur. Hein. Pourquoi je vais sur le banc? On s'en fout, on est d'accord, pas besoin de sauvegarder ici. Quoi. Oh putain. Pourquoi je me gratte la tête? Pas très pratique. Mais non! Voilà, comment être débile. Hop. Là, je sais pas viser avec les sorts. Ouais, il n'y a pas encore trois aiguilles. Hein. Ah! Le bait! Oh là là, je suis à 3. Mais... Mais sérieux? Concentration zéro, hein. Mais... Pas vrai. J'ai pourtant pas eu de problème avant. Enfin, pas plus que ça. Voilà. Trois masques perdus sur Gorb, quand même. C'est Oula. Mais... Arrête de lui coller aux fesses, toi! De toute façon, moi je vous avoue, à ce niveau-là, le faire en no hit ou no hit, je m'en fous. Tout ce que je veux, c'est arriver à le battre. Enfin. Voilà, arriver à finir ces trucs.
Mais c'est pas vrai. Je sais qu'il allait faire ça, et pourtant je le fais quand même. Voilà. Mais non. Doma, doma, doma. Non. Voilà, comme ça, c'est rigolo. C'est ça, c'est chacun son niveau, et moi, mon niveau, il est un peu nul, mais bon. Et... Ouais, c'est-à-dire que je suis partie d'un skill 0. Donc forcément, bah, la progression, elle est... Elle est à l'image, quoi. Mais qu'est-ce que je fais? J'oubliais complètement qu'il faisait ça. Je sais absolument pas, La portée du dash, c'est vraiment un truc où... Où j'ai encore du mal, hein. Pourtant, je devrais le connaître. Il 70... Mais 70 sur combien? Bon, ça, je savais que ça allait arriver. Je savais, j'en étais sûr. Ça aussi, j'en étais sûr. Oh là là, elle commençait le prochain combat sur 6 masques. Bah ouais, moi je suis partie d'un skill 0 sur 100. Donc voilà, vous faites le calcul. Il faut juste que je fasse gaffe à lui parce qu'en vrai, il est pas compliqué, hein. Par contre, lui, il a pas droit à une belle musique face au Hornet, hein, on est d'accord. Rappelez-moi de pas essayer de me soigner sur lui. Ouais. Voilà, maintenant je peux me soigner. Je pense pas qu'il y en a un deuxième qui arrive. Hein. Ok. Pas bon plan. Pas bon plan non plus d'essayer de me soigner. Ah, il apparaît ou je rêve? Ah ouais, non, je crois que j'ai dû le cogner sur sa pince. J'avais oublié qu'il faisait ça avec les pinces. Bravo. Bravo. Ah, pas bon sort. Mais non! Je sais vraiment pas viser, hein. Je peux pas passer au travers de ces trucs, hein. Ah bah voilà. Eh mais le Malek, sérieusement, pourtant c'est un boss de début de jeu, mais j'arrive vraiment pas, hein. C'est... J'ai toujours un mal fou sur ce truc. Non, je suis pas à 24 sur 100. Non, non, elle vaut pas déconner. Si j'étais à 24 sur 100, je serais pas au Panthéon. Après, en même temps... j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on s'en fout, quoi. C'est pas un concours de qui c'est qui a la plus grosse queue, donc... Enfin, moi en tout cas, j'ai jamais vu l'intérêt de faire le concours de qui avait la plus grosse queue, vu que je n'en ai pas. Donc de base, c'est pas un besoin naturel chez moi. Allez, les mouches, ou les moustiques, je sais pas ce que c'est. Bah si j'ai le temps de le frapper une deuxième fois ici, je suis pas sûre. Non, je crois pas. Pas grave. Oh bah c'est reparti, hein, pour une fournée de boss. Ah, je crois que j'ai buté un des moustiques avec en même temps. C'est cool. Tranquille. Marqué, maintenant la prochaine fois que je dois le refaire, ça va, je connais. Hein. La prochaine fois que je dois sauver Zoot. Jamais. Je ne sauverai jamais Zoot. Méchant Zoot.
Allez. Merci, Théophane. Ah, quoi, ce que j'ai dit sur la queue? Ouais, je suis pas gaffe. Non mais en vrai, le truc, c'est un jeu qui est difficile. Il est peut-être facile pour 2% des joueurs, j'ai l'impression. Donc le truc, c'est que quand vous y arrivez quelque part, on s'en fout, c'est vous arrivez à faire un jeu difficile, point, quoi. Après, s'ils sont en hit ou en no hit... Ça par contre, c'était nul. Ouais, peut-être la frapper, ça serait bien. Genre. Pas comme ça. Mais... C'est l'idée, la frapper, quoi. Voilà. Elle me fonce dessus ou pas? Bien sûr qu'elle me fonce dessus, au moment où je m'y attendais pas. Au moment où je m'y attendais, mais trop tard. Bon, là je la bourre un peu, mais c'est normal. Pauvre femme enceinte. Moi bourriner, je trouve ça pas très utile. C'est abusé pas trouver qu'on est meilleur. Peace and love, brothers. Faut que je fasse gaffe à ce que je fais là. Moi je regarde pas où je vais. Genre. Ah, il va faire. Ah ouais, non, là il fait retomber des trucs. Okay. Heureusement que c'est que le faux chevalier et puis pas le champion raté, hein, parce que. Le champion raté, bah par contre, dans le Panthéon, je pense que ma technique de merde, ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Oh là là, oh, comme il pleure en plus, c'est terrible. C'est vraiment un gamin qui fait... Mais qu'est-ce que je fais, moi? Je fais son caprice. Ouais, faut vraiment que je fasse attention à ce que je fais. Hein, plutôt que de raconter conneries à l'appel. Pourrait dasher, ce serait bien. Allez! Ouais, ça c'est vraiment le problème des boss rush. Ne pas être à 100 d'accord, mais pour se concentrer un minimum, on est d'accord. Marf. J'ai pas vu qu'il est tombé la dernière fois. Gigantesque emboutisseur moussu. Ah, c'est parce qu'il est gigantesque, or du coup j'ai du mal. Avant il était juste gros. Celui à vers chemin, j'entends. Mais sérieux, quoi. Mais je sais jamais ce qu'il va faire, c'est terrible. Voilà. Il y a toujours ce petit... Mais non, mais c'est pas vrai, là. Il tend de latence quand je me soigne. Et décidément, moi, je saute quand il faut pas, hein. Et je saute pas quand il faudrait. C'est hallucinant. Ça a toujours été comme ça. Et je sais pas pourquoi on a ce réflexe de saut quand il faut pas, quoi. Mais sérieux. Non, mais ouais, je vais me prendre. Vous le sentez là que la concentration elle fait déjà défaut? Alors que ça fait que 3 fois que je le tente, hein. Le Panthéon, j'entends pas juste ce boss là. C'est terrible, hein. Quand je vous dis que j'ai pas de concentration, je plaisante pas. Non, il a une queue trop longue, hein. C'est Hornet la suite, hein. Ah ouais. Ouais, je pense que c'est à cause des fils qui pendouillent. Je pensais que c'était sa deuxième version, mais en fait, non. Ah, cette musique. Trop beau. Allez.
Bon, on est d'accord que là, j'attends juste la frame pour me soigner. Hein. Même si techniquement, après, j'ai le banc, donc ça devrait aller. Le truc à vers chemin, jamais je m'en serais sortie de ça. Je sais pas ce que j'ai fait. Et de la merde. Dans la mardouille. Bon. On va quand même faire gaffe. Non mais... je lis le chat en même temps, ça le fait pas évidemment. Ah là là. Ah là là. Ce jeu en stream, faut quand même être motivé. Hein. Niveau concentration, j'entends. Hein. Encore une fois. J'ose vraiment pas l'attaquer quand elle fait son, quand elle lance son aiguille. Hein. Et c'est terrible, ça a toujours été comme ça. Bah bon. Allez. Désolée Ornette, mais je te bourre. Ah, c'est bien. Trop bien. Trop bien. Voilà. Après tout, à la fin du jeu, au générique de fin, à la fin, Team Cherry te met bravo d'avoir accompli cet exploit. Ah ouais. Ouais. Mais au moins, il y a des cinématiques de fin, parce que moi, je me souviens de jeux. Les jeux dans les années 90, genre James Bond 2, ce genre de truc. Où à la fin, le jeu était hyper dur. Puis à la fin, vous aviez marqué Congratulations. Et c'était... ah ouais, c'est tout. J'ai même pas droit à une cinématique, que dalle et tout. Non, non, juste Congratulations. On est d'accord que cet endroit-là, avec le banc, c'est systématiquement après Ornette, hein, c'est pas un truc random. Il peut apparaître à différents moments. Bon. On va éviter de lui sauter dessus, hein. Non ! Je sais pas ce que je fais moi avec mes sorts, mais c'est toujours un petit peu naze. Pourquoi je saute ? En fait, on s'en fout de sauter ici. Bon. Voilà, j'ai grid. Enfin, j'ai voulu. Et ça a pas bien fait. Ok, là je suis sur sa dernière phase. Allez gars. Bon ça forcément que ça allait arriver hein. Tomber sur une aiguille. Mais... faut vraiment que j'arrête de faire des conneries hein. Je déteste son bruit en fait, cette espèce de... C'est horrible. C'est super stressant. Ce boss, on a envie de le buter juste pour qu'il se taise. C'est moi ou il a du poil entre les jambes? Ouais, il a du poil entre les jambes, c'est terrible. Là, il va sortir maintenant. Bravo. Qu'est-ce que je fais? Ah là, faut que je fasse gaffe. Ah. Petite esquive du défenseur. Magnifique. Ah non! Ah non, sérieux! Je le stagger et puis il me tombe dessus. Ah, c'est magique! C'est absolument magique! Ah oui, c'est vrai qu'il fait ça maintenant. Là, je me fais avoir à chaque fois. Pas vrai. Ah, décidément.
Bon. Pas grave, tout va bien. Plus d'âme, mais tout va bien quand même. Voilà. Patiente un peu, laisse-lui le temps de prévoir son planning de la semaine. Ah, c'était par rapport à quoi? Ah, si demain je stream, normalement non. Pour après la diche, fantaisie, douche. Bon, ok. Je vous réponds après. Parce que je me connais. Là. Mauvais réflexe. Que de mauvais réflexes en ce qui me concerne. Et quoi, après c'est le Malek, hein. Donc faut que je fasse gaffe maintenant. Non, moi j'ai le droit, j'ai le droit. J'ai l'occasion de caser deux soins. Hein. Bah, évidemment qu'il avait sauté maintenant. Non! Et je vais jamais y arriver, lui. Hein. Je vous jure. Or qu'en fait, c'est juste un boss de début de jeu. Mais non. Bah voilà, toujours. Mais il y a une technique avec ce boss, mais franchement, je suis jamais arrivée à la trouver. Je l'ai battu qu'une seule fois, et c'était complètement, complètement du pif en fait. C'était du bol. Donc, Je vous laisse 2 minutes, je passe faire ma pause toilette, et puis je reviens. Ah, je vous mets le petit écran de BRB. Et hop, voilà. On dirait, il me faut refaire un café, tant qu'à faire. Café pipi, on connaît, ouais. Tu vois, c'est ce que je disais. Oui, c'est la fête des pères, d'ailleurs, merci de me le rappeler, parce qu'il faut que j'appelle mon papa aussi après le stream. Ça serait bien. Enfin, je ferai ça avant de manger, sinon je risque d'oublier. Bon, allez, faut se reconcentrer, là. Fou, c'est dur, hein. C'est dur de se concentrer. C'est dur de faire la même chose pendant plus de 20 minutes, je trouve. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais... Je serais pas lui bourrer des sorts, mais... Ouf. Tu viens? Non, bon. Ah, si, il est venu, mais... J'ai pas réagi comme il fallait. C'est moi ou il est quand même plus résistant que à Verschemin? Sachant que j'ai l'aiguille au maximum, hein. Et que j'ai aucun binding. Je crois que je l'ai raté. Mais c'est pas grave. Et hop, une petite tape dans le cucu. Comment est-ce que je peux prendre des dégâts sur les moustiques là?
C'est absolument honte. Wow, c'est un peu mieux comme ça. Ok, là, je vois ce que j'ai fait un peu de travers. Oh, c'est bien, ça me fait de l'âme gratuite, hein. Voilà. C'est cool qu'il bute tes petits moustiques en même temps. La fête des passions, tu es mort à Malek. Ouais, je suis mort à Malek. Comme d'hab. Je sais pas pourquoi j'ai autant de mal sur ce truc. Bon, réflexe zéro, hein. Sérieux. Voilà. Même. Ouais, c'est bien, c'est exactement ça. Ah là là. Bon, c'est pas encore le no-hit, mais un jour peut-être. Ok, donc lui c'est le troisième. And his name is John C. C'est ça. Ah là là. Voilà le faux chevalier qui peut au moins avoir une petite intro digne de ce nom. Parce qu'en vrai, il est pas très digne, hein, faut dire ce qu'il est. Même s'il me fait un peu pitié, faut être honnête. Il voulait juste défendre ses petits frères, tout ça. On peut pas lui en vouloir. Enfin, je pense pas qu'on puisse lui en vouloir. Bon, certes, il a assassiné un chevalier pour lui voler son armure, mais bon. Voir le chevalier mort est encore dans l'armure, hein, je ne sais pas. Si ça se trouve, parce que est-ce que c'est une armure ou est-ce que c'est une carapace? Alors, on gratte la tête. Ça arrive, c'est les machins qui tombent là du plafond qui me font des dégâts et même pas lui quoi. Coup de massue pile quand la musique se lance, mais ouais! C'est bien quand il y a des petits trucs comme ça. Coucou Choix Design, comment ça va? Désolé du coup, comme c'est un peu du boss rush et que. Obligé de rester concentré. Ah ouais, y'a ce machin. L'emboutisseur moussu gigantesque. Alors, faut que je fasse juste gaffe. Enfin, il faut que je saute plus haut en fait. Hein. Là j'ai réussi à l'avoir deux fois. Ouais non c'est ça, mon dash est pas assez long. Hein. Je veux dire même le shadow dash est pas assez long. J'entends. Qu'est-ce que j'ai fait là? La merde. Non mais pourquoi je me soigne en fait? Faut pas que je me soigne là. Je vais y arriver hein. Là je peux. Mais non! Je ne sais absolument pas prévoir ces mouvements, c'est horrible. C'est hallucinant que j'arrive pas à voir ces mouvements. T'as pas vu Louise? Y avait pas de Louise. Y avait pas de Louise aujourd'hui. Et vendredi non plus d'ailleurs. Je crois que c'est la semaine prochaine. Hein. Oh non. Bon là je la poutre un peu. Hein. Ouais j'ai plus d'hommes. Tristesse. Ouais, là faut que je fasse gaffe parce que c'est quand même, je crois, les trois quarts de l'arène avec son aiguille. Hein. J'aime beaucoup Hornet. Je sais pas si c'est pareil pour vous, mais. Mais. En plus, ce saut, mais lent comme tout, quoi. Genre, elle prend son temps et non, non, moi je me le prends quand même. Mais en vrai, je vais me soigner là. Ah.
On est d'accord, hein. J'ai pas besoin de me soigner, j'ai encore largement assez. Y'a le banc après, donc... Voilà. Bon, allez, encore un petit coup. Voilà. Vivement Sixong. Alors. Je rattrape un petit peu Louise toutes les deux semaines. Ouais, parce que... Puis on a... Azela avait fait une pause le week-end dernier parce qu'il faisait super beau et elle voulait sortir, ce qui est totalement compréhensible. Donc ouais, tu n'avais pas raté, effectivement. Ok. Petite pause dans le bain. On aura tellement aimé Sixong à l'E3. Mais ouais. Mais trop, quoi. Je sais pas si on... Mais après, comme dit, moi, je préfère qu'ils prennent leur temps et qu'ils sortent un jeu aussi bon que Hollow Knight, voire même mieux, plutôt que de faire un truc bâclé parce que tout le monde exige, quoi. Voilà. Oh non mais Gore, tais-toi. Tais-toi, je t'en prie. Je déteste tes bruits. Ah, d'accord, j'avais pas percuté que c'était déjà la troisième phase. Non, pas le bon sort. Que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? Voilà. Un peu mieux comme ça. Cette année 2-3 était tellement pourrie, je vous avoue que j'ai même pas regardé. C'est en même temps que j'étais assez occupée pendant tout le week-end, donc j'avais pas trop fait gaffe. Oui, c'est vrai, je peux pas le frapper à ce moment-là. Ah, j'ai pas assez d'âme. Mais... Il va me sauter dessus. Pas forcément. Pas forcément le meilleur endroit où je suis là, mais c'est pas grave. Donc là en fait, le truc, faut juste que je fasse gaffe à pas être trop proche de lui quand il fait son attaque là. Parce que sinon, je me prends quand même la boule au moment où il amorce son mouvement de bras, quoi. Regardez-moi cette frappe vers le bas, mais ratée de chez ratée, quoi. Ok. Oh non, j'ai essayé de l'éviter, mais j'ai raté. Voilà. Mais non. Je devrais pas faire ça, pourquoi je fais ça à chaque fois? Ah bon. Je vais quand même pas vous crever sur lui, hein. On est d'accord. Hein. Parti comme ça, c'est bien parti, mais... Non mais je vais crever sur lui, hein. Les 4 masques. Oh là là. Et la chercheuse de dieu, je crois que c'est la chercheuse de dieu en haut qui regarde. Ouais, ne pas me soigner sur lui, bah ça veut dire que je vais arriver sur le Malek avec peu d'âles. Ah, ça va être chaud. Hein. Oh non mais... Vous la sentez la perte de concentration là? Mine de rien. Enfin je pense, hein, je pense que c'est ça parce que je me débrouillais mieux avant donc... Ouais.
Bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis arrivé ce Malek avec un masque, c'était mort. Ok, bon, bah, on recommence. Hein. Bon, j'avoue, j'aurais quand même préféré qu'ils mettent autre chose comme DLC que des boss rush, mais bon. Passons. Bah, on y va, hein. En fait, j'ai passé tout le stream sur le Panthéon 1, hein. Faut pas se poser de questions plus que ça. Bon, j'attends sa troisième attaque. Non ! Est-ce que j'arrive à caser un soin ? Bien sûr que non ! Première, un peu plus d'âme. Bon. Ne pas tomber dans les nuages, hein. Ça serait bien. Je sais que je meurs pas vraiment, on est d'accord, mais... En fait, je me demande ce que c'est comme... c'est les insectes qui sont là, ils sont tous du même type, mais ça a pas l'air d'être des insectes de Halo Nest. Alors... Allez donc, t'excites, toi. Voilà. Un petit dernier coup? Ah non. Voilà. J'attends que tu fasses massacrer au fond les méchants. Mais ouais, c'est ça, quoi. Et moi, concentré sur les plus durs, c'était l'inverse tout à l'heure. Ouais. Ouais, mais... Ok. Ah voilà, concentration zéro. Je vais me refaire ça. Je vais pas me soigner dans un coin. Juste que je fasse gaffe là. Hein. On est d'accord. Hein. Voilà. Ah non, mais je trouve que c'est difficile de rester concentré sur des combats d'affilée, faut dire ce qu'il y a. Mais vous savez quoi penser de ma concentration, hein, de façon générale, donc... Et... Je ne fais pas mystère de mes problèmes à ce niveau-là. Boah. Il va pas être content, il va taper partout, il va se mettre en colère. En plus, il a droit à de la belle musique bien épique. Voilà, allez, on bourre encore un petit peu. Je pense qu'il aura encore droit à un petit dernier petit coup après, et ce sera bon. Hein. Ah oui, c'est vrai que là, il y a aussi des trucs qui tombent. Fais pas gaffe. C'est vrai que les autres, ils sont là, ils regardent, pépouze. Genre, ouais, on vient affronter au match. On vient assister au match. La massue qui tombe. On éclate toujours cette massue. Allez, le machin moussu! Ah, j'ai pas réussi à placer un deuxième coup. Ah! Intéressant! C'était intéressant, ça, de le frapper par le dessus. C'était pas fait exprès, mais c'était intéressant. Non, pas le dash. Je pensais qu'il allait sauter, en fait, non? Là, il saute. Non, j'ai pas sauté assez haut.
Ok. Pourquoi à chaque fois que je saute avec mon perso, je pars en arrière, vous avez vu? Ah non! Le petit coup de queue! Là, j'ai fait la débile. Ouais. Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'aurais pu frapper vers le bas, moi? C'est un emboutisseur moussu, sérieux, quoi. C'est pas... pas honnête, quoi. Quoi? Ouais, non, mais là, c'est... Là, c'est la mort de la concentration, hein. Je pense que c'est absolument évident. Et c'est vrai que c'est dommage que j'ai plus le journal du chasseur à finir à part le Colisée, parce que là, ça aurait été bien. Ouais, c'est des tués, ceux-là. C'est chaud, KKO. Ouais, mais en fait, choix dizaine, individuellement, il n'y en a aucun qui est difficile. Oh, peut-être le Malek, parce que Malek, je suis nul contre, mais bon. C'est peut-être pas une bonne idée d'attendre Ornette, hein, je sais pas ce que vous en dites. Ah, mais la musique elle est trop bien. Elle est bien. Je vais répéter à chaque fois. Hein. Allez. Allez, Ornette. Chocolat. Ah là là, ça me rajeunit pas. Hein. Voilà, c'est bien, ne saute pas. Non ! Chaque fois, je me fais avoir. Tu colles un sort et c'est là que... qu'elle saute. Pourquoi ces sauts, ils sont hyper lents et je trouve ils sont... et j'arrive pas à les éviter. C'est marrant, hein. Peut-être parce qu'ils sont tellement lents que je me dis, ah, j'aurai le temps de les éviter, en fait, non. Voilà. Non, je peux aller me reposer 5 minutes sur le banc. Est-ce que Salubra elle apparaît ici sur le banc? J'ai pas fait gaffe. Si on se bat contre Ornette là, ça voudrait dire quoi pour Silksong? Ah bah je ne sais pas. Oh, je pense que Silksong se passe après... bien après la fin de Hollow Knight quoi. Enfin bien après. Pas forcément après la fin de Hollow Knight. Ouais, Salubra est encore là. Ils sont lents les sauts, j'ai devant prendre le café. Mais c'est exactement ça. Ils sont tellement lents que je me dis oh j'ai le temps et tout et puis en fait non. En fait, non, je devrais... C'est le jeu qui fait, tu crois que tu pouvais te reposer? Non. Du tout. Mm. Ah non, mais c'est difficile niveau concentration. Hein. Je pense que là, ça c'est vraiment le défi de ce truc. Plus que les boss eux-mêmes. Et bon, je trouve quand même pour le Malek, parce que en même temps, c'est... forcément la même tactique que Roots Oubliées, et Roots Oubliées je sais plus du tout ce que j'avais fait. Je crois que j'avais plus utilisé les ténèbres descendantes peut-être. Enfin le sort qui tire vers le bas. Oui parce que le Malek je l'avais raté au début hein. Donc je l'ai jamais fait en début de jeu. J'avais toujours raté. Voilà. Donc il faut que je me rappelle de pas grid sur lui, dit-elle en commençant à faire des conneries. J'aurais pu l'avoir au sort, j'imagine. Ok. Ouais voilà, là j'aurais pas dû. Écoute.
Mais non! Ok. Voilà. Bye bye, Gorb. Bye bye. Justement, pour déconcentrer qu'ils sont longs, sinon c'est pas drôle, faut mieux prendre par surprise. C'est ça, c'est trop ça. En vrai, là, on s'en fout un peu de l'éviter, parce que de toute façon, c'est pas le début officiel du fight. Voilà, c'était là qu'il fallait que je fasse attention. Non. Voilà, et là, à chaque fois, je me fais avoir. Parce que c'est moi. Donc tout le monde sait que je vais forcément me faire avoir. Donc là normalement c'est sa deuxième phase, donc il va ressortir en faisant plein de trucs comme ça. Ouais. Bah forcément. Oh. Il a l'air de rigoler en plus, c'est ça qui est terrible quand il se vautre comme ça. Vous trouvez pas qu'il a l'air de rigoler? Ah ouais, d'accord, bah oui. Et pendant ce temps, on garde toujours à l'esprit que ce sont bien des boules de son caca qu'il me lance à la figure. N'est-ce pas? N'est-ce pas, Ogrim? Voilà. C'est mieux comme ça. Ah, c'était le gardien de l'âme, là? J'ai déjà oublié. Fuck off, ouais, c'est trop sale. Ouais, je crois que c'est là. Par contre, lui, il a pas droit à de la musique épique spéciale, hein, on est d'accord. C'est juste un MOOC. Ouh, bah ouais, bah voilà, je me fous de sa gueule et puis... Hein? Faut que j'arrête de me moquer du guerrier de l'âme, du coup il a le seum, il est pas content. N'empêche... Ça, c'est ce que je dis aux gens qui commencent dans Hollow Knight. Je suis pas forcément bonne pour faire ça, mais apprenez à frapper vers le bas, sérieusement. Apprenez à frapper vers le bas. Coucou Wasbin, comment ça va? Ah, faut que je poste le lien encore. Comme t'avais dit que... Oh bah voilà, j'ai raté mon truc. Non! Ah, pour une fois que je passe à travers, je fais ça. Ah, mais c'est pas vrai. Je vais jamais y arriver celui-là, hein. Voilà, là je le grid et vous voyez que c'est pas le bon plan. Voilà. Il m'a mis son coup de pince. Mal, les analyses de texte, c'est relou. Ah! J'aime pas ce boss dans cette arène. Moi non plus. Je sais pas pourquoi. Je disais avant, c'est un boss de début de jeu. Le Malek. Enfin, un mini-boss. C'est même pas un vrai boss. Hein. Je crois pas. C'est un vrai boss. C'est considéré comme un vrai boss ou un mini-boss, le Malek? Moi, j'aurais dit mini-boss, mais... Mouche vengeresse roi. J'avais pas fait gaffe au nom, mais c'est un peu nul. King Vengefly, je crois que c'est ça en anglais. Hein. Tum tum. Bon là j'y vais pépouze. Hein. Pas pour dire, mais c'est le combat le plus tranquille du monde là. Enfin, tranquille dans le sens où j'y vais pas vite, hein. N'empêche, je le redis encore une fois, comme régulièrement, mais la manette PlayStation, elle est quand même mieux que la manette Xbox. Pour moi, j'entends. Pour mes petites mains. Toutes minuscules. Toup-toup-toup.
Vous savez quoi, en fait, c'est vrai que j'ai pas changé de combi. J'ai pas essayé l'autre combinaison de charme, celle que Lounès avait... Dont il avait parlé. Tu es en train de me dire. Je vais peut-être l'essayer aussi pour voir. Mais... C'est un boss. Mini boss, il est dans sa entraînement, c'est que c'est un boss. D'accord. Mais pareil, ça pour moi, c'est un mini boss, la mère de Gruz. C'est pas... Je mettrais pas ça. Peut-être qu'à l'époque, au début, ouais, j'aurais mis ça dans des catégories boss parce que ça me faisait peur. Mais en vrai, c'est... Bah. Bon, après je suis pas très concentré. Hein. Voilà. Je dis pas ça genre excuse bidon, c'est vraiment je suis de base pas concentré. Ça fait partie de mes problèmes dans la vie. Ah oui non. En fait, j'ai rien raté, c'était juste le message de Wasteblood. Ça part pas. Coucou, toi! C'est vrai qu'à ce niveau-là, je peux le bourriner, on est d'accord. Tududum. Ça me faisait trop peur au début ce boss. Bon, même si sa version des rêves, on est d'accord, elle est quand même bien énervée. Oh purée, j'ai vu un truc hier soir dans le stream, la fille que j'avais raidée, Malicia Rose Noire, celle que j'avais raidée vendredi. Donc elle faisait du Hollow Knight encore hier soir. Elle est tombée sur le... Ben, elle était à l'ancien bassin, donc elle a eu le vaisseau corrompu. Et elle a réussi à avoir l'achievement, mais en fait, elle l'a battu, mais elle s'est fait tuer aussi en même temps, donc elle a eu l'achievement, mais elle a pas vu la fin du combat. Et je savais pas que ça pouvait arriver, ça, et je me suis dit, ah, c'est un peu dommage. Je l'aime pas dans cette arène, par contre, on devient super simple dans l'arène en ascension et radiant. Je sais pas ce que c'est, je suis pas encore là. Et puis pour elle. Oui, mais oui! Et c'est dommage parce que à la fin de ce boss spécifique, il y a une petite animation qui est... C'est super triste en fait. Enfin, quand on y pense, quoi. Quand on pense à ce que ça implique, je veux dire. Vous avez vu comment je bouge à chaque fois que je... Ah, j'arrive pas à rester immobile dans ma chaise. Rassure ma chaise. Si j'étais dans ma chaise. Non! Voilà. C'est nul. C'était nul ce move. Bon, ça va. Pourquoi j'ai sauté? J'ai toujours pas repéré par quoi il l'annonce, s'il va sauter ou s'il va ou pas. J'arrive toujours pas à voir. Voilà. Attention, il est radiant, tu le prends bien assez tôt. Ah. Enlève le rat, ouais. Oui, c'est ça. Et vous me teintez avec des mots comme ça. Ah, bien sûr que j'ai gâché un sort pour rien. Bon, Grid Hornet, c'est peut-être pas forcément le même truc non plus. Le meilleur choix au monde, mais... Voilà. C'est moi ou elle s'est pris le sort deux fois? Ah, je crois qu'elle s'est pris deux fois, c'est magique! Hop, talum! C'est bien le double saut. Là, par contre, quand elle retombe, c'est vrai qu'elle est bien vulnérable. Hein. Ok. Ok, on fait un peu gaffe.
Ok, j'avais juste assez pour un pot qui sort dans sa face. Voilà, c'est ça où j'ai encore du mal à le faire, à sauter dans l'intervalle entre quand son aiguille vole. Ça par contre... Pour lui le vert, faut se mettre le plus proche de lui et juste taper 1 avec le recul, tu toucheras pas et tu finis vite. Je crois que c'est ce que j'avais fait avant. Je l'ai frappé en fait sur le devant quand il me fonçait dessus. Et du coup, alors j'ai sauté, je l'ai frappé et ça m'a donné l'occasion de replacer encore 2 frappes sur lui. Simplement, je suis pas arrivée à le replacer ensuite. Mais ouais, c'est une bonne technique. Faut juste que j'y arrive. Je commence à en avoir marre de voir Gorb, pas vous. J'ai pas calculé combien de coups par contre avant que il ou elle passe en deuxième phase. C'est il ou elle, j'en sais rien. Bon, c'est Gorb, c'est de l'inclassable. Non ! Pourquoi j'ai fait celui-là ? Non. Là, je peux. Voilà, ok, troisième phase. N'empêche, c'est un petit avant-goût de Radiance, lui, hein, au niveau de ses... des attaques comme ça, qui partent. Maintenant que j'y pense. Ça a l'air de rien comme ça, mais... Il n'a pas besoin de sauter. Ok. Ouais, il y a la patte genre, ouais. Gorb. Lui, je l'adore. Franchement, je l'adore. C'est le principe du défenseur bousier en soi, c'est un peu ridicule, quoi. Le mec, il se bat avec son caca, mais... Mais franchement, c'est... Non, non, je l'aime bien. Il a l'air d'aimer sa vie, c'est ça qui est cool. Ah, je sais pas si je vais arriver à le frapper là, donc on va attendre. Bon, lui, il m'a frappé, mais c'est pas grave. On dirait qu'il rigole quand il tombe. De toute façon, je voulais, je vais me faire le P5. Bah, bonne chance! Bonne chance à toi! Voilà, je suis encore trop près. Voilà. Allez, là, normalement, je peux tout me soigner. On est d'accord que c'est le guerrier de l'âme juste après. Hein. Comme il m'a bolossé, lui, la première fois au sanctuaire, quoi. Enfin, quand je dis la première fois, j'entends sur ma première partie. Je dois me gratter le nez! Ah! Horreur! Je me déconcentre. Ok. C'est bon, j'ai compris que t'aimais bien te téléporter, mec, hein. Voilà. Je mets en pause parce qu'il faut que je me gratte le nez et la tête. Voilà. Défenseur bousier, guerrier de l'âme, Malek, comme ça tu oublies pas. Un Panthéon 5, quelle souffrance. Je crois que le Panthéon 5, on m'a dit, il est pas nécessaire par contre pour le 112%. Hein. Déjà, si j'arrive au 112%, ce sera peut-être la plus grande victoire que j'ai eue dans les jeux vidéo, de façon générale. Ok. Bon, bah d'accord. Ça, c'était obligatoire. Ça aussi. Voilà, là je commence à le grid. Et du coup, c'est la merde. Ça, ça pince. C'est cette espèce de cochonnerie de pince, là. Il a combien de points de vie, lui? C'est un sac.
Non. Voilà. Bon bah 4 masques pour le dernier boss, je sais pas qui c'est mais... ouais j'y arrive quand même au bout de 4 fois. C'est toi le dernier boss ? Pourquoi entres-tu dans ce panthéon, petite chose faible ? Le bruit de tes tortiments a créé beaucoup de discorde, noyant les résonances divines auxquelles nous nous accordons. Désolé, mais le ti, je peux pas, quoi. Parce qu'en anglais, c'est thou, c'est pas ti. Tu veux contrecarrer notre but sacré ? Qu'est-ce qui te pousse à faire une telle folie ? Nous prions pour que les dieux de ce royaume te punissent, t'anéantissent, te détruisent totalement. Voilà ce que je lui dis. Continue de te cacher, petite chose faible, et que les dieux te détruisent totalement. Oui. Tu vas avoir un banc ? Non ? Ah ! D'accord ? Alors lui, je connais pas du tout, on est d'accord. Hein. Je sais pas du tout ce qu'il fait. Ah ouais, d'accord. Je suis peut-être un peu proche de lui, non? Ouais, je pense que je vais me faire bolosser. Ah! Quoi? Je te compte plus! D'accord. Tout va pas aussi pour tirer, on se crie. Mais ils sont deux, ils trichent! Moi aussi je veux être deux! Je peux invoquer le Hollow Knight pour qu'il vienne m'aider? Non, je peux pas, bon. Valait la peine de demander, vous me direz, mais... Ah, mais attendez, mais oui, ça commence tout de suite! Faut pas que je boive, moi! Faut que je fight! Ah, ce commencement sans âme! Ah, ça stresse! Ok. Putain, mais non. Alors là, ça c'était nul. Ah, bien sûr que non, j'aurais dû savoir. Fallait pas que je gride à ce moment-là. Je pensais qu'il allait invoquer ses cochonneries là maintenant, mais bon. Possiblement non, pas encore. J'ai encore pas changé mon setup de charme pour essayer l'autre. Je vais m'en rappeler, hein. Prochaine fois que je meurs, essayez de me le rappeler dans le chat, si vous voulez bien. Parce que sinon je vais encore rater ça. Même si tactiquement celui-là il est bien comme setup. Hein. Je peux pas mettre le setup de charme en... Je peux pas le tenir pour responsable de mon skill pas encore très développé. Voilà. Mais c'est vrai que eux, Oro, Mato et Shio, on les a jamais affrontés avant en tant que boss, hein, on est d'accord. Voilà, j'ai eu du bol là, parce que j'ai pas eu foncer dedans pour... de la merde. Me fonce dessus ou pas? Bien sûr que oui. Ah! C'était pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Je sais ce que je voulais faire, mais mes doigts n'ont pas suivi. On y est presque. Voilà. Petit coup dans les fesses hein, de la mère de Gruse. Ouh.
Tu vas dire mon copain le faux chevalier, mais en fait t'es apparemment mon copain, t'es juste sur mon chemin. Ah ok ouais, c'est vrai qu'il y a ça. Je suis en colère. Je me demande si sa massue c'était celle du chevalier d'origine aussi. Je sais pas du tout. Ce serait marrant. Un peu triste, mais marrant. Pom pom. Bon, maintenant, il va falloir que j'apprenne le pattern des deux frangins. Hein. Ah! Comment ça, il a réussi à me toucher? Mais c'est honteux! C'est une honte absolue! Mais non, mais sérieux, je fais quoi, là? N'oublie pas que tu peux t'entraîner quelque part. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est un bon plan, ça. J'essaye encore là, et puis après... Après, je vais aller voir. C'est vrai que je pensais plus à ça. Je suis partie sur mon truc du boss rush, là, tranquille. Ouais, donc là, j'ai essayé de le frapper devant, mais... Ok. Ne pas griller sur le soin. Tac, ok. Ça peut passer comme ça, faut juste que je fasse gaffe. Limite, je préfère y aller à la prudence et faire que ça marche quand même. Bon, j'ai rien dit. Ah. Ah, je pense, je fais un truc n'importe comment avec mon saut. Ouais, écoutez, je vais y aller comme ça, c'est peut-être pas la méthode la plus efficace ou la plus rapide, mais tant que ça marche pour moi, moi je dis je suis contente. Allez, Frangine. Je suis désolée de t'accueillir comme ça, mais... non, en vrai, j'ai pas besoin de me soigner à tout prix sur son fight, là, mais bon. Ça, par contre, à chaque fois, je vais me faire avoir, lui balancer le sort qu'il faut pas, hein. Enfin, plutôt lui balancer le sort au moment où il ne faut pas. Toi aussi t'aimes bien te battre, hein. Je me demanderais toujours... Oh non mais non. Ça c'était nul. Qu'est-ce que ça aurait été si sa mère avait été un boss hein, qu'on peut battre, enfin qu'on peut affronter, j'entends. Je me demande si au Panthéon il y aura ça. Je pense pas, mais... On sait jamais. Ah, je suis allé un peu vite sur les sorts. Voilà, là je peux. Là, j'ai fait de la merde. Mais c'est pas grave. Ok. C'est vrai que sur le truc, autant le veilleur, ouais. Il y avait du boss. Et les deux autres, enfin, il y avait... Voici le veilleur et l'érudite. Mais sur le troisième, j'étais là, je fais, il n'y a pas de boss, c'est chelou, quoi. Enfin, si, il y a un boss, ni profond tout entier, est un peu... Quand on y pense. C'est-à-dire, je me demande si je meurs, est-ce que je réapparais là-dessus, mais techniquement, c'est dans les rêves. Si je sauvegarde là, que je sors du Panthéon et que je meurs, vraiment, donc en dehors du Panthéon, est-ce que je réapparais là? Oh non, bon, ça c'était naze. Ah non, mais ça c'était naze de chez naze. C'est Gorp, quoi, c'est bon.
Je veux dire, beaucoup de fois non, j'ai l'impression, remarquez. Je veux dire, beaucoup de fois à speed aussi, hein. Yeah, j'ai touché. Ah ! Trop loin. Je pense que je vais pas avoir le temps. Ouais, non. J'étais un peu trop proche du bord pour ça. Mais... Voilà. C'est mieux comme ça. Je m'étais dit encore deux coups. Undo! Je suis un peu dans le coin, c'est peut-être pas forcément le bon plan. Ouais, c'était pas le bon plan de me foutre dans le coin avec lui. Doma, doma! Ah! Gaffe quand il plonge. Tu lui fais trop marrer, Arthur, couillère. Mais... Ah mais non mais... Mais bien sûr, mais c'est ce bout là. Oui, j'ai déjà oublié. Terrible quoi, j'arrive à oublier les phases du... Oh, ah là là. Ah bah ouais, ça je l'attendais aussi. Là, il avance très légèrement à ce moment-là. Voilà. Ah oui, non mais c'est vrai que c'est la fin. Pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il a trois phases, lui ? Enfin, trois staggers, je sais pas. Allez, guerrier de l'âme, de mes deux. Ah ouais, non, là j'ai fait de la merde. Elle est terrible cette musique. Ça fait... je veux pas dire que ça fait combat pépou, mais il y a... Il y a un petit côté comme ça, tranquille. Qui est bien trompeur. Je vois lui foncer dessus un peu plus vite en fait. Voilà. Les deux petits soins. J'étais au max d'âme, je crois, donc pour le malade, ça pourrait le faire. Bah non, forcément. Non ! Me demandez pas pourquoi je hurle le nom à chaque fois, parce que c'est pas ça qui va servir à grand chose, mais bon. Ok. Là c'est plus que je gaspille de l'âme qui aurait pu me servir pour un sort. Bah bon. Vous avez aussi entendu un bruit chelou là? Non? Ouais là je fais n'importe là. Ouais. Mais non, je devrais savoir qu'il faut pas que j'envoie mon sort à ce moment-là. Faut que j'attende qu'il atterrisse. Ouais bon là je vais arriver sur les frangins. Non, je vais pas arriver sur les frangins. Mais de toute façon j'y serais arrivé avec un masque, ça aurait été tout pourri. Ouais, on avait dit effectivement qu'il y a moyen de s'entraîner. Bah je vais aller voir. C'est où? C'est là en bas. Trois hein. Ouais. Alors, par contre, ça va être où? Ça va être à ce niveau-là, j'imagine. Ça, c'est quoi? C'est la mer de Gruz. C'est le Malek.
Chevalier, Ornette, le machin moussu. Ah, tiens. Ah, tiens. C'est quoi, ça? Ah, premier truc qui me vient à l'esprit, c'est une couille géante, mais c'est quoi, ce truc? Oh, blobol. Ok, merci. Couille géante. Ça, c'est le chevalier de la ruche. Ça, c'est... Ah, ça, c'est mon frangin. Ça, c'est Nosk. Le collectionneur. C'est quoi, ça? J'attends arme au poing dans le Colisée. Ça doit être le machin de Dieu, là, je sais pas quoi. Mais il est où? C'est Oumu. Seigneur traître. Ouais. De toute façon, est-ce que je peux au moins... Je peux peut-être pas m'entraîner sur eux. Le dieu vide est au sommet d'un panthéon. Ah bah ouais. Y a pas la statue de Zot? Bah oui, forcément. Satan au sommet d'un panthéon. Dieu au sommet d'un panthéon, super. Ah voilà. Je pense que c'est ces deux-là, donc on va voir ce que ça donne. Syntoniser, ascension, je sais pas ce que ça veut dire. Donc J'aime bien le « hé ». Voilà, j'ai pas d'âme, ça va être chaud. Ok, donc quand il prépare sa charge comme ça, il faut que j'évite ou que je lui passe au travers. Ouais, d'accord. Trop tôt. Trop tôt encore. Trop près. Donc là, maintenant, il y a son frangin qui arrive. J'ai le temps de caser deux soins, ok. J'aime bien le tcha, le petit regard. Ouais, non. Comme ça, il saute, donc faut que je me méfie. Ok, ah ouais, d'accord. Ah bah oui, forcément, il fait le machin cyclone, hein, on est d'accord. Évidemment. Trop lent. Pas assez long. En même temps, c'était ça. Ouais, non, d'accord. Shadow Wonder, t'as raté quoi? Bah, t'as raté que j'arrive pas pour l'instant à passer le premier panthéon, j'arrive à la fin, mais je m'arrête sur E2, voilà. je regarde la situation, c'est le double des dégâts et Radiance, et tu te fais toucher, tu meurs. Ah oui, oui, d'accord, c'est ça. C'est le truc, c'est le one hit, quoi. Enfin, faut le faire en no hit, sinon c'est... J'aime bien le « eh ». Genre, tu me déranges. Ah non, mais il est trop rapide. Hein. Ouais, mais en fait, faut pas grider là-dessus, on est d'accord. Hein. Jamais grid. Là, par contre, avec le double saut, ça le fait. Faudra que je me rappelle ça. Tu vois pas mon perso? Non, si je lui atterris dans les jambes, ça va pas le faire. Ok. Ah non, mais je vais jamais y arriver, ceux-là. Enfin, si, je vais y arriver tôt ou tard, mais. Ah zut. Rester coincé entre les deux, c'est pas le bon plan non plus, on est d'accord. Hein. Eh mais en vrai ils sont jumeaux ou... Ah! D'accord, oui. Zut. Ouais, bon, forcément. Il a une carrément plus grande portée. Je me suis améliorée, ouais, bon. C'est clair que oui, par rapport au début du jeu, je me suis améliorée, évidemment. C'est clair. Tous les boss en Noïde, sauf le dernier boss du Panthéon 5, tu m'étonnes. Panthéon 5, j'imagine que c'est le machin le plus dur du jeu, quoi. Je me rappelle qu'il fait ça juste après. Pour
limite faut que je le prenne par derrière quoi. Dit comme ça, ça fait bizarre. Ok. Non, ça c'est jouable. En passant comme ça, on est d'accord avec le saut. Mais ouais. Il faut pas que j'essaye de caser deux fois le truc là. Ok. Ah. Ça va être chaud hein, la fin de ce panthéon, je veux pas dire, mais ça va être chaud. Que déjà un j'ai du mal, mais alors. Panthéon 5, 42 boss à la suite avec des pauses. Mais je vais quand même être honnête avec vous, moi faire 42 boss de suite ça ne m'intéresse pas, hein, de façon générale. Il atterrit où? Ouais, là, je vais crever. Ouais, je vais crever. J'ai vu en plus. Hein. Je préfère de la plateforme. Ouais. Les trucs de plateforme, c'est pas mes trucs favoris, mais... Par rapport à 42 boss d'affilée... Bon, c'est quoi l'intérêt, quoi? C'est... Mis à part, ouais, vous êtes en vacances, vous aurez rien d'autre à faire de votre journée, quoi, mais bon... Bon, voilà, quoi. Ah, pas assez haut. Ouais, comme ça, c'est faisable. Ok. Ah! Ouais, si j'atterris derrière lui, c'est gérable. Enfin, c'est gérable, c'est-à-dire que maintenant, il va falloir que j'ai les réflexes. Ça, c'est autre chose, hein, on est d'accord. Non! Mais en vrai, même en arrivant avec masque maximum, quoi. Il descend le Panthéon 5, tu as énormément de l'or. Ouais, j'ai énormément de l'or, mais si vous voulez, le prix à payer est un petit peu gros quand même, je trouve. Faut être honnête, il y a à un moment donné, il y a genre Sixon qui va arriver, ce genre de truc, donc bon, voilà quoi. Tôt ou tard, j'aurai autre chose à faire que de continuer des boss rush, vous voyez ce que je veux dire. Ok. Presque. Je suis trop proche. Ok. Ça c'est Mato, on est d'accord, hein, s'il fait le truc cyclone. Non, pas grid. Top grid. Ah. Ouais. Top grid. Quand Sixong arrivera, tu abandonneras Hollow Knight? Bah, j'aurai envie de jouer à Sixong, donc j'imagine que oui, au moins temporairement, quoi. Mais ça, en fait, c'est normal, hein. C'est au bout d'un moment. Moi, si vous voulez, je me vois pas passer 3 ans sur le même jeu, par exemple. Nafoya, je me suis rendu compte que toutes les heures, je fais 10% de Ori, donc il y a moyen que je le finisse en 10 heures. 10 heures, je crois que c'est faisable, ouais. C'est l'or qui m'intéresse plus. Mais moi aussi, le lore m'intéresse. Mais le truc, si je dois me taper 10 boss pour avoir du lore, je veux bien, mais 42 boss... C'est... Au bout d'un moment, mon intérêt est remplacé par autre chose. Mais ça comme dit, c'est pour tout, hein. C'est pareil. C'est genre, il y a 3 ans, j'étais à fond, je lisais beaucoup de romans de science-fiction. Maintenant, j'en lis quasiment pas en ce moment, parce que je sais pas ce que j'ai envie de lire. Donc, c'est pas que dans le cadre des jeux, on est d'accord. Qu'est-ce que je fais, moi? La merde. Ne répondez pas à cette question.
Bon, en même temps, tu regardes même pas ce que je fais. Ah, la musique qui s'arrête, genre. Ha. Ching. Mais je les aime bien, eux, quand même. Mine de rien. Ok. Ah, j'ai plus d'âme. Le seum. C'était le truc cyclone. Non, je peux pas placer un dash d'ombre comme ça. Je pense pas. Ils sont un petit peu trop gros pour que je les traverse. Ouais. Voilà, oh, j'ai plus de réponse. Au pire, il y a des gameplays sur YouTube. Bah, c'est ça en fait. C'est ça. C'est. Non, t'as raison, j'ai pas utilisé la compo. Je l'ai noté. Merci de me le rappeler. Je vous avais dit de me le rappeler parce que sinon. Le banc, il est là, je crois, hein, en haut. Bon, je regarderai les autres machins après, hein, on est d'accord. Sur ceux qui apparaissent, c'est des boss que je connais. Alors, on avait dit... j'aurais pu me relire. On avait dit Rongard Force, Entaille. Et on avait dit Régène Rapide. Donc c'est lequel? C'est celui-là. Et cœur, le cœur indestructible. Donc je crois que c'était ça. La deuxième compo que j'avais notée. Me semble. Ouais, force inébranlable, entaille rapide, canalisation rapide et cœur indestructible. Non, bah, ça a l'air d'être ça, quoi. Compo principal. Mais l'autre compo, en tout cas, est bien. Hein. C'est, je trouve qu'elle est efficace. Après, faut juste que j'apprenne à mieux jouer. Hein, ça. Mais ouais, je vais essayer celle-là. Elle m'a l'air très sympa aussi. Ils sont où? C'est eux? Non. Ah si, c'est ça. Je vais me faire à manger, je reviens. Eh ben bon appétit, Fantaisie. Qu'est-ce que tu fais là? Ah oui, mais j'ai pas d'âme. Bon, si je commence comme ça, déjà. Oh non, mais ils sont trop gros. J'arrive pas à leur passer au travers. Non. Ouais. Essayer de placer un coup à ce moment-là, c'est assez risqué quand même. Hein. Là, ça marche. Ouais, faut vraiment que je les frappe par derrière, ceux-là, en fait. Je pense que c'est ce qui pourrait marcher le mieux. Remarquez que tous les boss sont soit des dieux, soit des déesses. C'est-à-dire... Qu'est-ce que t'entends par des dieux ou des déesses? Je veux dire dans le lore du jeu? Voilà, je vais pas y arriver. Et alors? J'aime bien le A. Ouais non bah... J'ai essayé d'atterrir entre les deux mais c'était pas gagné. Ah oui non mais... Ouais non. Ah si, alors vraiment si je suis au poil de fion... Mais non! Ouais non. Tu cliques sur une statue, il y a le nom et en bas la description. Hornette. Et soit marqué dieu, soit marqué déesse. D'accord. Ah, ok. Alors attends, si je regarde là. Dieu, frère, Eloi et Légon. D'accord, ouais, dans ce sens. Ok. Ok, ok. 30 secondes, je refais une pause pipi. Hein, ça fait. Café. Je reviens.
Ok, maintenant je vais peut-être boire, parce que ça fait une demi-heure que je voulais boire et que j'ai oublié. Ah bah je vais réessayer, hein, parce que ceux-là, de toute façon, sans entraînement, je pense que... Bah ouais, ouais, je sais pas, le Panthéon 5, personnellement, je le sens mal. C'est... Ah, je suis un peu trop près. Ok. Ouais, là j'étais trop près aussi. Ok. Ah! Pourquoi je reste à côté en fait bêtement là? Genre je regarde ce qui se passe tranquille. Pourrait partager. Il y a 1300 viewers le net cumulé sur tout de suite, y'a un mec quand même 900. Ah bah ouais bah écoute. Je reste un petit streamer hein. Mais c'est déjà pas mal. Et Non, je vais me prendre un coup. Je vais me prendre un coup. Mais... Je suis tristesse. Bon. Je dure un petit peu plus longtemps que juste Oro, on est d'accord, c'est toujours ça de pris. Ouais, mais bon. C'est ça de pris, mais ça a pas duré longtemps. Ouais, là, ouais. J'ai atterri une temps. Mais ouais, ouais, on est d'accord, Shadow Wonder et Krintocop, ils pourraient partager, c'est vrai, quoi. Et Vous avez dit quoi? Ascension, c'est double... ils font le double de dégâts, hein. Alors, question, si je me mets en surcharmé, en ascension, on est d'accord que je me prends quadruple dégâts, c'est ça? Pour le coup? Et il va sauter? Ah non, même pas. Ah, pas assez. Pas assez rapide. Ok. Ah, j'ai oublié qu'il saute aussi. C'est pas le bon plan. Pas essayer, mais je pense aussi. Mais je les adore ces deux-là, ce petit regard, c'est juste génial, quoi. Ouais, non, ça c'était de la merde. Oh là là, j'ai plus de concentration. Fatigué. Ouais, non, là, c'est pas, je passe au travers. Bah non, j'aurais dû rester là où j'étais en vrai. Ouais, finalement. Bon. Roi et Mato ont syntonisé un dégât surcharmé, deux dégâts en ascension. Ah ouais, en syntonisé un, dégâts surcharmé, deux. Deux dégâts, ok. Ascension, deux dégâts, donc en surcharmé, quatre dégâts. Ouais, c'est logique, c'est logique. Ça fait mal. Ouais, bon. Si j'arrive déjà pas en syntonisé, je vais pas arriver en ascension. Alors, par contre... ouais, non, faut peut-être que je me concentre là. Ouais, bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Syntoniser Ascension, c'est sur les boss là quand ils sont en individuel, c'est ça? Y a pas cette notion dans les Panthéons où on fait tous les boss d'affilée, puisque là, y a les bindings, mais c'est pas la même chose. Hein.
savoir qu'il allait faire ça. Bah non, je peux caser 3 soins. Hein. Ouais. Bien, ascension. Hein, plusieurs. Hein. Ah bah. Mais non, j'arrive plus à sauter là. Je crois qu'il saute à chaque fois après son entaille cyclone. Pas son entaille cyclone, son entaille normale. Ouais, bon. Non. Pourquoi je vais me soigner ici? Oh non, je sais plus ce que je fais là. Ouais, voilà. Attention, c'est le même boss qui fait le double de dégâts. Ouais. Qu'est-ce qu'il vaut mieux que je fasse? Ouais, non, il vaut quand même mieux que je m'entraîne sur ceux-là jusqu'à ce que... Au moins, je les ai battus une fois, hein. Et après, on retourne à l'autre truc. Ouais, ça... Ouais, oh, putain, j'aurais dû faire un dash. Dash aurait été bien. Ouais. Ouais, donc là, comme ça, je peux en caser 3. C'est bien. Ah, ouf. J'oublie toujours qu'ils ont une portée de ouf, quoi. Forcément, ils sont énormes comparés à mon pauvre petit perso. Ah, j'ai plus d'âme. Ouais, bah non, là je passais pas. Thou shall not pass! Okay. C'est ça, c'est trop ça! Ouais, je vais me faire buter. Oran, quand il arrive, c'est un peu « Hello there !» C'est « Hein ?»« Mais quoi, là ?»« Oh, c'est pas grave, je vais me battre quand même. Allez, je m'ennuyais, là. » C'est vrai, ils sont tout le temps là, ils sont assis comme ça dans leur petite cahute. Hein. Là, je pas... Voilà, j'ai casé un troisième coup, et je pense que j'aurais pas dû. Ah, techniquement, on est d'accord que c'est possible de faire des parades, mais c'est vraiment pas aisé. Ah! Ah, c'est de pire en pire, là, mais... J'ai l'impression que plus je m'entraîne, et pire c'est, en fait. Et le problème, c'est que j'ai rien d'autre à faire dans cette partie. J'ai que des boss rush, des ennemis rush, en fait, donc je peux... Je peux même pas dire je vais faire autre chose, parce que j'ai pas vraiment grand chose d'autre à faire, hein. Voilà, il me touche. Non ! J'arrive pas à passer au travers. Ouais. Je vais me faire crever. Deux secondes après, je réalise que t'as joué une alerte, tu vois, j'ai même pas entendu. J'ai même pas entendu. C'est terrible. Non, on va pas le faire en ascension. Je pourrais le choisir en ascension. Et j'imagine que... Tant qu'on n'a pas fini les panthéons, ou qu'on n'a pas fini au moins le truc en ascension, on peut pas faire le machin là en... le truc Noit que j'ai déjà oublié le nom. Ah, j'ai pas d'âme. Évidemment.
Ok. Ouais, ça je devrais me rappeler qui me le fait sur l'anti-cyclone. Faut que je fasse ça. Je peux y aller au sort. Ouais, je vais me faire toucher. Ok. Pour atteindre le radiant, faut faire les ascensions. Voilà, le radiant. C'était ça, je cherchais le mot. Je suis où? Mince, je me voyais plus. Ouais, non, mais j'ai pas... Je devrais me rappeler que j'ai pas assez d'allonge pour le traverser. C'est pas ce que j'ai essayé de faire là, mais ça ne marchait pas. Ah zut. Ouais, je m'en doutais. Normalement à gauche, t'as une icône, tu peux mettre du son... Ah ouais ouais. Les petites alertes sonores. Il y en a qui sont gratuites, enfin qui coûtent des bits, mais j'ai mis 0 bits, et il y en a d'autres qui coûtent des points de chaîne. Je voulais pas mettre des bits, mais je voulais pas non plus mettre que des trucs vraiment payants, parce que les bits c'est quand même du vrai pognon quoi. Mais je voulais pas non plus que les alertes puissent être jouées absolument n'importe quand, parce que... Je fais pas gaffe à ce que je fais. Là. Ouais, bon, là. Ah c'est ça. C'est exactement ça. Oh là là, ça sert à rien ce que je fais, j'ai l'impression. Ça s'améliore pas. C'est comme le Colisée, quoi. Ah. Bah non, là il va me tomber dessus. Qu'est-ce que je fais? J'ai plus de réflexe de saut en fait. Bon. Il faudrait essayer de l'autre côté hein. Le pire c'est que je le voyais là-bas. Je devrais utiliser celui-là plus souvent en vrai avec eux, je pense. Ah zut, raté. Ah, alors c'est bon, j'ai compris. Ok, super, Shadowland. Ok, mais des trucs payants, je comprends pas, 90% du temps, c'est malheur que tout le monde s'en fout qui dure 5 secondes. Ouais, et puis bon, le principe, c'est pas forcément... je veux dire, faire systématiquement tout payer, bof, quoi, c'est... Bon, déjà, ça m'embête de pas pouvoir vous mettre plus de d'emotes. Parce que pour ça, il faut que j'ai plus de subs. Mais j'ai pas envie de mendier des subs pour vous mettre des emotes, quoi. C'est un peu... Enfin, je sais pas. Moi, les emotes, c'est un truc de base. Je savais qu'il allait faire ça. Je savais... Je savais aussi. Je le savais aussi, pourtant je le fais quand même. Ah bon. Vous sentez que je gritte parce que je sais plus quoi faire d'autre. Ou je suis un peu proche d'eux là. Ça me plaît moyen. Je peux utiliser l'emote, faut être sub. Oui, en plus. Bon, c'est Je sais que j'ai absolument aucune portée par rapport à eux, mais je le fais quand même. Ah, j'aurais dû dash. Bon. J'aurais dû faire plein de trucs, en fait, que je ne fais jamais. Ah, je commence à avoir la dalle, là. C'est pas terrible. Je pense pas que je puisse vraiment parer, hein. On est d'accord.
Leurs épées sont vachement... Enfin, leurs aiguillons sont vachement trop grands. J'utilise ça, H24, ça me fait rire. De quoi, les trucs sonores? Ouais, Shadow Wonder, les alertes sonores, comme dit, je laisse. Si je vois que de façon générale, les gens exagèrent et que ça devient chiant, à ce moment-là, je mettrai en beats ou bien je les espacerai. Genre, on peut les utiliser qu'une fois dans l'heure ou un truc comme ça. Pour l'instant, ça va. Si les gens dans le chat arrivent à se contrôler, ça va. Ah, trop près! Ouais. Là, j'ai trop de mal encore. Là, il va sauter, forcément. Ah ouais, forcément. Non, mais je perds trop de masques, en fait, dès le début, quoi. Si j'en perds plus que deux, c'est mort, quoi. Et... J'arrive pas à rattraper, quoi. Au maximum, donc je peux en caser 3 avant que les deux n'arrivent. Ouais, non. Mais j'ai plus aucun réflexe, là, c'est juste horrible, en fait. Mais vraiment, quoi. Ah, de justesse. Voilà, là, je l'ai raté. Ah, j'ai essayé de l'avoir par au-dessus, mais ça n'a pas marché. Bon, si je reste dedans quand je fais ça, ça sert pas à grand-chose, on est d'accord. Hein. Ouais, pas assez rapide. Ah, ouais, ça va être long, hein, ça va être très très long. C'est... La question essentielle, c'est la perspective d'avoir du lore à la fin. Va-t-elle être plus forte que mon manque d'intérêt pour les fights? C'est à ça que ça va se jouer. Ça me fait le coup cyclone, faut que je fasse gaffe. Ah, si je savais, pourquoi je le tente? Pourquoi je le tente à ce moment-là? Il va sauter, bien sûr. Ouais, bon, j'ai perdu que 3 masques au lieu de 5, c'est déjà pas mal. C'est un progrès, on va dire. Vous voyez ça après le Malek? Mais c'est mort, quoi. Ah, mais toi, j'ai plus d'âme. Je sais pas ce que j'ai réussi à faire là, mais... Ah non, là, j'ai pas réussi. Là non plus. Ah zut, c'est ça le truc cyclope. Mais je les reconnais pas, je fais pas la différence entre les deux. Hein. Ils se ressemblent tous pour moi. Ouh! Ah dommage. Dommage! Ah. Juste à cause de ce boss, je trouve le Panthéon 2 plus facile que le 1. C'est possible. C'est possible. Techniquement, je peux même essayer le pantalon. Le pantalon. Tu peux essayer le pantalon. Le pantalon. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas à le dire. C'est horrible. Ok. Allez. Ah.
Ok. À chaque fois, je le fais. Je vous jure, à chaque fois. Alors que je sais que juste après son entaille, c'est pas le bon moment pour le frapper. Je le sais. Pantalon de nain, mais sérieux, j'arrive pas à le dire, quoi. J'ai mangé, salut, bon appétit, Shadow Wonder. Je pense que pareil... Je vais pas forcément faire un long stream aujourd'hui parce que je vous cache pas que c'est... Ce degré de concentration nécessaire est quand même très fatigant pour moi. Enfin, j'imagine qu'il est fatigant pour tout le monde, hein, pour vous aussi, de façon générale. Hein, quand vous devez faire ce genre de truc. Hein. Ah, dommage. Mais... Qu'est-ce que je voulais dire? À un moment donné, ouais, je vais aller manger relativement tôt, quand même. Ah zut, je suis parti trop tard. Zut. J'arrive pas à caser le sort. Hein. Ok. Non, ne gritte pas, ne gritte pas. J'ai grid. En vrai, par contre, on est d'accord pour son entaille cyclone, il n'y a pas besoin de sauter. Au final. Non. Ah. On passe le pantalon 2 avant la fin. Ouais, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allez. Mais non. Mais... Pourquoi pas? Je veux juste voir ce qu'il y a dedans. Comme dit, c'est pas comme pour le Colisée. Bon, c'est pas la peine que j'aille me charger en âme, hein, ça sert à rien. Ah ouais. Ouais, je vais tester maintenant, on va voir. On va voir ce que ça donne. Ce serait terrible, j'arrive à faire le Panthéon 2 avant le 1, quoi. Alors ça c'est le 1, ça c'est le 2. Hein. Ok. Histoire d'être un peu curieuse et de voir ce qu'il y a dedans quand même. Ah! Où toi? Bah ça va pas le faire fort avec 0, hein. Lui, il est pas difficile, mais j'ai quand même du mal. En général, j'en crois. Non! Pas le bon sort. Non, mais d'accord. Hein. Ah, j'en peux plus, là, j'en peux plus. Oh là là. Et là, par contre, je pense pas que je puisse aller me soigner. Ouais. Ça a pas duré longtemps, le Panthéon 2, hein, je le sens. Ça a pas duré longtemps du tout. Voilà. Ah bah bravo. Ouais non, je pense que le Panthéon 2, je vais pas le faire avant le 1. Hein. Non. Je pense que je vais avoir autant de mal sur l'un comme sur l'autre. Mais Ah, va me faire commencer avec 0 là, non mais oh. C'est bon quoi. Oh là là, non mais là franchement j'ai plus aucune concentration. Je peux pas avoir une nouvelle zone à explorer, non, avec des cartes, puis cornifères comme on avait avant, et puis... Je sais pas, un quatrième rêveur caché, non, ça aurait été cool. Ça aurait été bien ça, j'aurais bien aimé. Non.
va essayer d'éviter ces aiguilles, enfin ces épées, c'est des aiguillons, on est d'accord. Ok. Je crois qu'il s'est pris plusieurs fois le sort ou je rêve? Moi si je prends plusieurs fois ses aiguillons, ça va pas le faire non plus. Hein. Non! Pourquoi j'arrive pas à balancer le sort vers le haut? Ok, bon. 4 masques, c'est moyen. Non, non, on a un boss rush, allez, va cracher du sang. Ok. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les lasers. Pour le coup. Zut, parti trop tôt. Ah, soin! Soin, vite! Voilà. Je pense à me soigner. Oh non! ouais, ça aurait été cool. Est-ce que je peux encore me... Bah non, je suis pas au bon endroit. Purée, vous savez que je me souviens même plus, lui, comment on fait. Y a un moment donné où je peux me soigner, en fait. Quand il arrive avec les boules, là. C'est déjà pas là. Du coup, j'arrive à le faire dans sa salle normale parce que... Parce que j'ai le sol pour me repérer, mais là je l'ai pas. Donc j'aurais peut-être pu le frapper en fait, ça aurait été cool. Bah bon, pas grave. Ah non! Qu'est-ce que je fais? Je fais la nouille. Ok. Ah! Trop court! Planté sur la longueur. Ah bah oui, attendez, j'ai plus le dash d'ombre. On est d'accord? Le dash d'ombre, pardon, le. Le charme qui me permet de faire les dégâts, je crois que je l'ai enlevé sur ce setup. Ah, j'arrive plus. Je sais plus ce que je raconte. Pour sauter au-dessus de lui, juste fais un. Ah! D'accord! D'accord! Ok! Je vois! Je vois, ok. Je m'attendais à ce qu'il pète le sol de nouveau. D'accord. Non, je vais me faire crever là-dessus, mais c'est pas grave. Ok. Ouais, là j'ai fait la conne, je m'y attendais pas du tout. Comme la première fois, hein. Le boss, il a même besoin de... Il a rien besoin de faire, hein. Oui, je me fonce dedans tout de suite. Toute sale. Ok, j'allais refaire encore un petit peu Oro et Mato, je crois, là, pour m'entraîner. Ça me reposera, mais... Ça me reposera. Qu'est-ce que j'avais dit? Je regardais. Oui, voilà, j'appelle ça le dash d'ombre. C'est pas le dash d'ombre, c'est ombre tranchante. Je m'attendais à lui faire des dégâts et en fait, non, forcément. Est-ce que c'est pas plus court si je monte par là? Une plateforme qui me troll. Ça, c'est quoi? C'est le guerrier de l'âme? Maître de l'âme? Oh, je regarde, je fais du tourisme. Des fois, t'en vous dis avec une crotte dans la main, mais non. Ça, c'est les veilleurs. Yay. Sans yeux. Marmou. Zéro. C'est qui ce nom de Marcotte? Ça, c'est Galien. Ça, c'est Gorbe. Ça, c'est Maître U. Et normalement, c'est ces deux-là.
J'imagine qu'il y aura aussi Shéo à un moment donné, hein. Pas d'illusion. Bah non, forcément, je le savais en plus que j'allais être trop court. Hein. Voilà. Je le savais. Et là, je suis partie trop tard. Faut vraiment que je parte là, quoi. Pattern pas très compliqué, c'est juste qu'ils ont une sacrée allonge par rapport à mon petit personnage et qu'il faut que je fasse gaffe à ça. Voilà. Là, du coup, j'ai perdu un masque de trop par rapport à ce que je peux charger. Bonne fin de live, bonne fin de journée, tous et toutes, bonne chance pour ce passage. Merci Quintocop. Je pense que je vais arrêter dans pas très longtemps parce que là, je suis pas concentrée. Mais... Bah ouais, bon, c'est quand même intéressant à faire pour le défi, hein. Faut dire ce qui est. Là. Quand ils sont là tous les deux, ce serait idéal, ce serait que j'ai le réflexe pour caser un ça. Voilà. Ok. Ouais. Ok. Ah, trop tôt. Ne pas grid. Bon là, lui, du coup, il me fait plus rien, on est d'accord. Ok. Ah, zut. Moi, j'ai quand même réussi à en caser un. Non. Ok. Bon, je les ai pas vus à la fin de leur vrai combat, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, coucou Arcades, la Ténébrus a poussé une autre vidéo avec ses... Ah, peut-être... Pouette là-dedans, Pouette Arcades. La Ténébrus a posté une autre vidéo avec ses modifs à lui, je te laisserai aller look ça, j'ai déjà émis mon avis sur la question, du coup, n'hésite pas à donner le tien sur le canal si besoin. Bonne journée. Ok, ouais, j'irai voir ça après le... Soit après le repas, soit ce soir. J'irai regarder, quoi. Ok. Ouais. Écoutez, je vais me réessayer une dernière fois le Panthéon 1. Le Pantalon 1. D'accord, donc oui, voilà, syntonisé, j'y suis arrivée. Et je pense que du coup, il faut que je valide Ascension. Et si je valide Ascension, là, j'aurai Radiant. Ou quelque chose comme ça. J'imagine. Ok. Je vais réessayer une dernière fois. Bon, je les ai battus qu'une fois, donc je me fais pas d'illusions, mais... Nouveau mot de la chaîne, pantalon. Non mais sérieux, j'arrive pas à dire Panthéon, c'est horrible. C'est horrible. Je sais pas pourquoi. Non mais c'est ça, un peu aspi, pantalon. Non mais c'est mort, hein. C'est mort. Je vais jamais dire... Je vais m'arriver à le dire. Mouche vengeresse roi. Mais qu'est-ce que c'est que ce nom, quoi. J'aurais pas pu appeler ça roi des mouches vengeresses, non? Pas. Traduction aux fraises! Traduction aux fraises! Ah là là. Bon, mais les musiques sont vraiment géniales. Comparées à celle du Colisée, qui est juste super stressante, en fait. Désolée, je suis nerveuse, donc je me grappe le nez. Je sais pas si c'est la meilleure méthode, encore une fois, hein, ce que je fais là, mais... Si ça marche, donc... Moi, je me dis, voilà. Essentiel, c'est dans la pelle. Oh là là. Bah, il a crié, mais il n'y a pas de mouches qui sont apparues. Ça, je sais pas pourquoi. Là, il y en a. Voilà.
Je pense qu'on y est bientôt. On y est, super. Mouche vengeresse roi, normalement c'est royal. Ouais, bah oui, ouais, mouche vengeresse royal, au moins ça se serait... Ça aurait été cool, mais là, mouche vengeresse roi, ça veut rien dire, quoi. Ok. On va le faire comme ça. Alors. Non ! Ça, c'était nul. Pourquoi je fais ça ? Je vais me foncer dessus, voilà. Y arriver hein. À chaque fois je crois qu'il va me foncer dessus et que je pourrais lui passer au travers et en fait non il fait... Enfin elle fait son attaque là. Voilà, c'était ça que je pensais qu'elle allait faire avant. Mère de Gruse, l'originalité, ouais. Moi je dis mère de Gruse, c'est la femme enceinte qui rentre dans sa chambre et puis on arrive, on l'éventre et on bute ses bébés en plus quoi. Je fais quoi, moi? Je fais quoi, là? Non, mais où? Ok, allez, mets-moi en colère, le chevalier. Ça, c'était nul. Ça, c'était vraiment un dash mal estimé, quoi. Ah, j'allais dire, il m'a pas encore fait sa vague. Voilà, là, il l'a fait. Encore. Ok, je pense que là c'est la fin pour lui. Hein. Pantalon alors que Panthéon, non mais ah c'est pas mais... Non, ça c'est pas le choix, c'est Naofai, bien sûr. Bien sûr. Ah, il avait du orange qui lui sortait de la bouche. Ah, je sais qu'il gratte. Ok. Bon, j'ai pas réussi à le frapper, mais il m'a pas frappé non plus, c'est déjà ça. Je pense que là... Voilà. J'ai mis combien de coups? 4 hein? 5? Ah! Zut. Aussi fait U. 6. Ah, pas loin, pas assez loin. 7. 8, 9. Ah zut! Nul! 10. Mais... Comment je fais ça, moi? 11, ouais, il faut combien de coups à ce truc? Ça sac à PV? Zut. Ça, c'est ma faute. Ça, c'est moi qui fais nymphe. Bon, j'ai arrêté de compter là, j'ai perdu le compte. Voilà, c'est un peu mieux. Ok. J'ai oublié ce que c'est le combat suivant, c'est Ornette, hein. Il semble. Ah bah j'aurais dû garder de l'âme, tiens, tant pis. Vous avez vu, je l'aime tellement, je lui fais des câlins pendant le fight. C'est beau, hein. Alors, tu sautes. Ah, un petit coup de sort. Paf.
Mais si, je lui fais des câlins, je vous assure, hein. Je vous assure, c'est pour lui faire des câlins, c'est parce que je l'aime bien. C'est vraiment pour ça. 15 ans, ok. Mais merci Lounès de compter pour moi, parce que moi visiblement, je sais pas compter. Ah! Dans mes bras, Ornette, je t'aime! C'est là que je vais me faire crever parce que. Parce que j'aurais pas rechargé mes masques. Ah, j'ai plus d'âme. Voilà. Je parle pour le moussu. Ouais, j'avais compris pour le moussu. C'est 15, ok. Ouais, bah du coup, je m'étais arrêté à 12 ou je sais pas quoi. On est d'accord, on parle bien de 15 avec l'aiguillon au niveau maximal et le charme de force. Hein. Donc avec ça. Ok, je bois un petit coup, je me mouche. Et je finis la dernière phase là. Je pense pas que je l'aurai. Enfin, vous me direz un miracle, ça existe, mais. Ah, il faudrait que je m'étire un peu après. Alors, déjà, commencer comme ça. C'est sa voix qui m'énerve! Gorb, tais-toi! C'est pas assez rapide. Bon, là je cherche la daube. On pourrait y aller au sort, hein, vous me direz. Voilà. Passé quoi là? Passé quoi? Ok, c'est pas grave. Faut que j'arrête de me poser des questions pendant les fights. Demain tu stream, tu tendras les tier list. Alors demain normalement je ne stream pas. Les tier list, j'ai regardé, j'ai trouvé un site où il y en a qui sont déjà faites. Je peux éventuellement peut-être regarder vendredi pour déjà mettre quelque chose en place pour un petit truc en début de stream. Bien sûr. En vrai, j'ai juste me concentrer sur les fights et on en reparlera des tier list une autre fois parce que. Là, je fais Janawak. Pas vrai. N'importe quoi, je vous dis. Faut que j'essaie les traumas. C'est vrai par contre que j'avais pas encore essayé le panthéon mental. Je vais pas y aller. Le panthéon 1 dans son intégralité avec ce setup de charme. Je l'avais pas essayé. C'est vrai. Ok. Je sais pas ce que je fais là, mais c'est pas grave, je le fais, j'y vais avec joie. Okay. Bon. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il est pantalon, mais oui. Je vous jure. Ah, il est tombé derrière. Là, je l'ai vu, il est tombé derrière la chercheuse de Dieu, je crois. Bonjour, j'étais pas concentrée, mais là j'ai eu un petit bout de réflexe qui a pris le dessus pour une raison que j'ignore. C'était bien. Mais c'est terrible cette musique, j'ai l'impression d'être dans un film de Harry Potter là. Vous pouvez pas? C'est hallucinant.
Ah zut, j'ai fait la conne. Ah j'ai fait la conne aussi. Je pouvais crever là, que je puisse me soigner, ce serait cool. Voilà, super. Avant que le Malek n'arrive. Par en commande sonore ça. Ouais, c'est pas loin. Ah, je suis trop loin. Zut. Sa pince, j'avais oublié sa pince. Là, je peux pas me soigner sur lui. Ah non, mais je vais arriver sur Shio et Mato, je vais déjà être en... En rate de PV, quoi. Ah, ce petit coup de pince là, vous l'avez vu? Là, comme ça, l'air de rien. Oh bah non, mais je tombe dans la gueule du Malek, ça va pas le faire. Genre grave pas. Voilà. Oh là là, oh là là. Ça va être chaud. C'est chiant. Elle me dit autre chose encore, je crois pas. Ah non. Ah si. Non. Mes tortiments. Comment ça, mes tortiments? La reine du Panthéon 5 à Malek est tellement plus simple. Alors, il... ouais, bah, forcément, je l'ai pas encore vue. Celle-là, elle ressemble plus au... bah, à la reine de base. Hein. On est d'accord hein. Eh. Allez. Ah zut. Non. Je perds trop de vie là comme ça dès le début. Faut pas que je gride, hein, on est d'accord. Absolument pas que je gride sur eux. Non! Je sais, je dis non à chaque fois, c'est pas comme si ça allait changer grand chose, mais... Ah non, je l'aurais pas. Je pense pas. On va tenter le coup. Mais je le sens mal. Avec 4 masques, je le sens mal. J'ai réussi à parer un truc, mais je sais pas quoi. Je sais vraiment pas quoi. Ah non. Non, non, non. Là, j'ai paniqué. La reine du... Voilà, du coup, si j'ai bien compris, vendredi soit la deuxième partie, soit tier list. Bon, c'est les deux. Je vais pas faire de la tier list pendant 3 heures. Par contre, je peux faire une tier list en début de stream. Et après, on continue la partie de Hollow Knight. Ça peut être sympa. Et je crois que Vanaxul fait ça de temps en temps. Il fait une tier list et après, il fait le jeu. Et la semaine d'après, il fait une deuxième tier list. Et après, il refait un jeu, un truc comme ça. Ça peut être fun. Ouais, bah pour vendredi, normalement, on est à part le site que j'ai trouvé, il y a apparemment besoin de plus. Donc c'est un site où il y a déjà le truc mis en place, il y a déjà des tier list Charme, Hollow Knight, PNJ Hollow Knight, Boss Hollow Knight. Donc ça peut être fun. Peut-être commencer par les Charmes à ce moment-là, parce que les Charmes, vu que eux je les ai tous, même si je m'en sers pas. Si c'est des trucs où moi je m'en suis jamais servi, genre le Charme du Baldur là. À la limite, vous pouvez donner votre avis du coup. Et c'est vous qui choisirez qu'est-ce qu'on met. C'est quoi le site? Alors attends, je vais te dire ça tout de suite.
Ça s'appelle tearmaker.com. Bah tiens, par exemple, je vous mets dans le chat. Ça, c'est celui que j'avais trouvé, que j'ai mis de côté pour l'instant pour les charmes. Donc, a priori, comme moi, j'ai tous les charmes, ça va, c'est pas spoiler pour moi. Donc, y en a plein d'autres, hein, des tier list. Il y en a vraiment, vraiment plein d'autres. Il y a des templates qui sont déjà faits. Et je me suis dit, ça, c'est carrément cool parce que, bah voilà, j'ai même pas à devoir passer du temps à faire les templates, quoi. C'est génial. Hein. Les ennemis HK, tu peux les faire. Je vais regarder. Alors, pour l'instant, j'ai noté, j'ai mis en bookmark un template pour les charmes, pour les boss et pour les PNJ. Mais il doit y en avoir pour les ennemis. Il doit y en avoir. Donc ça, je pourrais regarder aussi. C'est pas un problème. Les ennemis, j'ai tout eu, hein. Normalement. Si on compte les ennemis de base et pas les boss, a priori, j'ai tout eu. Même les ennemis du Colisée, au pire, il y en a un que j'ai pas vu, mais bon, ce sera pas... Non, mais même. Les ennemis du Colisée, je pense que j'ai tout eu. Ceux que je connaissais pas, il y avait les machins voltaïques, mais ça, c'est bon. La tueuse de... Pardon, la dompteuse de dieu, ben, ça, c'est plus un boss. Ouais, voilà, quoi. Puis bon, je l'ai déjà vu sur un autre stream, donc c'est pas... Ça, je m'en fous. Ouais. Ennemis, pas les boss. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, non, les ennemis, c'est bon. C'est bon. Je regarderai s'il y en a un. Au pire, je commencerai par les charmes. Si jamais j'oublie, je commencerai par les charmes. Et puis après, je pourrai regarder autre chose. Mais c'est vrai que ça peut être marrant. Je m'étais demandé, est-ce que... déjà, il y a un petit moment, est-ce qu'une tier list pourrait être fun. Et ça m'écoutait complètement sorti de l'esprit. Là, c'est le dompteur de dieu. C'est pas la dompteuse. God Tamer. Voilà, God Tamer. Comme ça. On va lui donner un nom, enfin lui donner son nom en anglais, et puis on sera tranquille. Ouais, ok, bon. Que je vais faire, moi je pense que je vais m'arrêter là parce que le dompteur de dieu, ok, pourquoi pas. Je verrai ce que ça dit au Colisée. En même temps, tu sais, la traduction française, elle est pétée, donc... Je me méfie. Hardcore Geek, utiliser le charme qui repousse les ennemis, ça va être utile. Bah coucou, ici, je crois que je t'avais pas encore vu, donc bienvenue sur la chaîne. Le charme qui repousse les ennemis, tu veux dire pour le Panthéon? Alors, attends, le charme qui repousse les ennemis, c'est ça, coup puissant? Forçons les ennemis touchés à reculer, ouais, ça... celui-là, il annule mon recul et lui, il fait reculer les ennemis. C'est vrai que je m'en sers pas beaucoup de celui-là. Comment il s'appelle, coup puissant? Je me le note aussi. Alors attends, je note juste coup puissant, c'est vrai que... Au Colisée, je l'ai pas encore essayé. Donc... Je me le note pour la prochaine fois, parce que de toute façon, il va falloir que je fasse... Que je cycle un peu entre Colisée, Panthéon... Je pense que pour l'instant, je vais continuer avec le Panthéon parce que c'est, je veux pas dire un peu plus varié, mais là, je suis quasiment au bout du Panthéon 1, ça pourrait être sympa. Il me manque pas beaucoup, en fait, pour y arriver. Quant à savoir, ouais, bah, comme j'avais dit que j'arrêtais après cet essai, parce que du coup, je suis trop crevée et je manque de concentration pour faire autre chose que de la daube. Alors, on va arrêter qui? C'est une bonne question. Qui est-ce que j'ai... Qui est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a quelqu'un qui fait du Hollow Knight? Tant qu'à faire. Histoire d'aller les encourager un peu. Ah voilà, il y a plus que 700 spectateurs. Je crois que celui qu'on avait 900, il s'est barré. Alors. J'ai quelqu'un qui s'appelle LQSay. Il y a un tag No Spoil, No Backseat. Donc je pense que c'est quelqu'un qui commence. La fête des pères, oui. La fête des pères. Merci de me le rappeler. Merci, parce que sinon j'allais encore oublier. Je peux pas raid la première chaîne dispo parce que c'est moi. Donc ça le fait pas. Bah écoutez, je vais voir, tiens, LQSay, je crois que j'avais jamais raid cette personne. Donc je vais voir ce que ça donne. Ah super, j'ai une pub, c'est bien. Ah bah Hardcore Geek, justement, qui est sur le stream de LQSay. Donc bah tiens, voilà, on va ramener Hardcore Geek à la maison. Ah ouais, non mais attends, c'est un stream qui se termine? Non. Ah non, c'est bon. C'est un autre viewer qui partait et qui disait bonne chance pour le boss. Ok. Ouais, allez. Ah, ça sent le truc dans les rêves, là.
Ah, je sais quel boss il est en train de se faire. Ok, bah écoutez, je vais faire un petit raid chez LQC. Ça me donnera l'occasion de découvrir. Je crois que je suis jamais allée voir cette personne. Voilà. Et puis moi, ça me fera découvrir. C'est cool. Ah, on a 6 personnes, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Bon, bah écoutez, moi, ce que je fais. C'est qui? Bah, je ne connais pas, justement. Ça me donnera l'occasion de découvrir. Ah, tu veux dire le boss? Le boss, c'est le proche disparu. Il est en train de faire le proche disparu. Pardon, j'avais un peu lu. Bonne journée, oublie pas la fête des pères. Merci, ouais. N'oublie pas la fête des pères. Ok, donc, normalement, mardi, je stream. Je sais pas encore quoi, j'ai pas décidé. Je mettrai ça dans le planning. Quand j'aurai décidé du planning. Ben, vendredi, ma seconde game Hollow Knight, celle où je suis moins avancée, et j'essaierai de caser une tier list avant. Et puis dimanche, dimanche, je pense que je continue Panthéon. Voilà, comme ça on a un petit programme déjà. J'hésite à faire Ori en stream mardi, ce sera peut-être Hades du coup, à voir. Ok, bon ben, moi je vous dis bon dimanche, bon week-end, bonne fête des pères pour ceux qui vont manger chez leur papa. Et moi je vais appeler le mien d'ailleurs dans la foulée tout de suite. Et puis bah donc on se revoit mardi et je vous lance le raid chez LQC. Donc bon dimanche à tous, bonne journée, bye bye!